Bonjour à tous et bienvenue au séminaire de la CEFAN qui porte sur les médiations numériques de la culture. Aujourd'hui, on a une séance qui porte sur la question de la musique et ses enjeux, autant dans les pratiques que dans les modalités de diffusion. On aura en conférence Serge Lacasse et Guillaume Désiel. Donc, dans un premier temps, Serge Lacasse, qui est professeur en musicologie à l'Université Laval. Il co-dirige l'Observatoire interdisciplinaire de recherche, de création et de recherche en musique. Il est spécialiste de la musique populaire et de l'enregistrement sonore. Ses recherches portent sur plusieurs aspects de l'esthétique de la musique populaire enregistrée, de même que l'adaptation de modèles issus d'autres disciplines pour mieux comprendre le chant populaire. Donc, intertextualité musique, mais aussi phonostylistique de la voix chantée populaire, par exemple. Il contribue à titre de co-chercheur à de nombreux travaux d'équipe et a publié plusieurs ouvrages et donné un grand nombre de conférences, dont celle-ci, qui va porter sur un projet qu'il a mené récemment sur le remixage de la chanson québécoise et les enjeux identitaires qui y sont corrélés. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup, René. Merci de l'invitation. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. J'aimerais commencer par, par vous parler du projet lui-même qui s'appelle Remixer la chanson québécoise, qu'on a démarré il y a déjà un bon bout de temps. En fait, l'origine de ça, c'est 2009, un été où j'ai entendu une chanson que je vais vous faire jouer tout à l'heure, puis que ça, tout a démarré à partir de là. Et ça, c'était aussi de façon concomitante avec une réflexion que j'avais avec ma collègue Sophie Stévens sur la recherche-création, qui a débouché sur un livre sur la recherche-création en musique en 2013. Puis évidemment, derrière ça, toujours le numérique, parce que c'est dans le numérique qu'on travaille. Quand on fait, entre autres, le remixage, ça va mieux, bien que parmi les projets dont on va parler tout à l'heure, il y en a un qui refuse d'aller dans le numérique, donc je parlerai un peu de ça aussi. Mais bref, donc c'est un peu ces trois choses-là qui vont être mises ensemble, recherche-création, remixage, numérique, mais aussi la question d'identité à travers ça. Donc, l'idée qu'en gros, un remixeur, comment il exprime ou comment vit-il son identité ou l'exprime-t-il, c'est ça, ou elle, parce qu'il y a des « elle » aussi, dans un contexte de remixage. Donc, on va parler un peu de ça. Bien que ça, ce ne soit pas ma spécialité, c'est plutôt l'ethnomusicologue Gérald Côté. C'est pour ça que Gérald Côté est indiqué comme co-auteur. C'est lui aussi qui a écrit le projet d'article que vous avez reçu, je pense, qui ont reçu le projet d'article. Levez la main, surtout ceux que je ne vois pas, levez la main ceux qui ont lu le texte en question ou qui en ont eu une idée. Bon, bref, je vais un peu résumer à la fin les conclusions de Gérald, mais aussi vous parler d'autres pistes aussi de recherche qui sont ouvertes par un projet comme celui-ci. Donc, la genèse du projet. Alors, la chanson que j'ai entendue par hasard, ça s'appelle « Lush Life ». En fait, c'est le remix de CeeLo Green de 2009 que j'avais entendu, qui était CeeLo Green, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Américain, un réalisateur qui a fait « We the Voice », mais qui a fait d'innombrables chansons, chanteur particulier avec une voix particulière et tout, mais qui a aussi fait des remixes, dont celui-ci. Puis ça faisait partie d'un album qui était un album, disons, hommage à Nat King Cole. Donc, je fais entendre, on va écouter, là, je vous le préviens, il y a plusieurs extraits musicaux. Je dirais qu'on va avoir une bonne 15-20 de minutes de musique en tout pendant cette présentation-ci, d'où mes haut-parleurs plutôt que ceux de la salle ici au plafond avec lesquels on n'aurait pas entendu grand-chose. Donc, on va écouter un extrait de Lush Life. Les extraits, c'est toujours à peu près une minute. Puis là, je vais vous pointer aussi à un endroit particulier parce que c'est là que CeeLo Green a... disons, s'est emparé d'une partie de l'extrait de la chanson et c'est ça qu'il a développé dans son remix. Mais c'est bien d'entendre la première minute pour se rendre là puis pour comprendre un peu pourquoi il a fait ce choix-là, entre autres. Donc, on va écouter un extrait de Lush Life, version originale de 1949 de Nat King Cole. To visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz and cocktails. The girls I knew had sad and sullen gray faces with distant gay traces that used to be there. You could see where they'd been washed away by too many through the day.
forever cocktail. Then you came along with your side of song to tempt me to madness. Ça, c'est toute l'intro de la chanson. Et là, écoutez bien ce qui va arriver maintenant. Was tinged with the sadness of a great love for me. Ah yes, I was wrong. Enregistré. Again I was wrong. OK. Maintenant, je vous fais entendre un bout du remix de CeeLo Green. I was wrong. Je n'irai pas dans les détails musicaux, admettons, de ce qu'il a fait comme, comme manipulation. Entre autres, qu'il a mis ça dans une autre tonalité différemment, mais en gardant la tonalité d'origine, il n'a pas transformé, il n'a pas détuné, comme on dit. Il a comme replacé la chanson dans un nouveau contexte harmonique déjà qui veut dire quelque chose, qu'on pourrait s'étendre là-dessus éventuellement, mais surtout le rythme et comment il a intégré la voix, les cordes et tout ça, puis comment il a entouré ça. Et l'espèce de sentiment qu'il y a derrière ça, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, j'aimerais ça vous entendre pour voir comment, qu'est-ce que vous trouvez qu'il y a de particulier dans, juste dans le début, dans les accords, dans le, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que ça évoque la joie, la tristesse, la nostalgie ou qu'en pensez-vous? Quelqu'un peut se lancer? Traiter la voix, la vie. Oh, ça c'est sûr déjà. Mais comme émotion qui se dégagerait du remix à première écoute? Émotion? Oui? Un peu de regret, oui. Donc, en plus, oui. Ouais. Donc, voilà. Donc, un remix, ça sert entre autres à ça, c'est de rééclairer quelque chose qui a été présenté d'une certaine manière, puis qu'ensuite, qui va signifier comme autre chose une fois qu'il a été numérisé et transformé. Alors, l'autre chose, c'est qu'évidemment, on est dans le contexte africain-américain, les États-Unis, Nat King Cole, côte ouest américaine des années 30-40, et arrive... notre ami CeeLo Green qui réinterprète son africanité à travers ça. Donc, c'est ce contexte-là en plus sur lequel on pourrait aller, mais on n'ira pas. Mais aussi, surtout, le contexte historique. On prend un vieil enregistrement d'une ancienne vedette, une chanson qu'on a complètement oubliée. Je veux dire, personne ne se souvient de ça, notamment parce que c'est écrit dans un langage harmonique qui est hyper complexe. Là. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'était comme... Ça a l'air simple, la version de Cole, mais quelqu'un qui voulait reprendre cette chanson-là juste au piano pour transcrire ce qu'il a fait, ils vont passer un bon bout de temps. C'est complexe, sauf après, mais au début, son introduction, c'est une espèce d'introduction, comment je dirais ça, un peu exploratoire puis en plus avec des signaux à la Hollywood pour dépeindre certains éléments, comme par exemple, bon, ben, il arrive telle chose, tu as ressenti telle chose, c'est un peu Mickey Mouse d'une certaine manière, mais surécrit. Qui était comme une esthétique de l'époque, qui a été complètement abordée différemment par CeeLo Green. Alors, il y a tous ces contextes-là. Quand j'ai entendu ça, je connaissais Nat King Cole, je ne connaissais pas cette chanson-là, mais je me suis dit, tiens, les Américains, encore une fois, ont compris quelque chose. Si on veut que l'histoire parle de nous, il faut qu'on écrive notre histoire. Le défaut au Québec et au Canada, c'est qu'on n'écrit pas notre histoire, très peu. En musique, par exemple, il y a très peu d'histoires qui sont racontées du Québec. Donc, par exemple, savoir que les Berlinaires étaient à Montréal quand ils ont déposé le fameux brevet, puis que le premier studio d'enregistrement était à Montréal, sur la rue de Lacasse en passant. C'est pas de ça qu'ils parlent dans les livres d'histoire, parce que c'est les Américains qui l'ont écrit. Ils parlent plus de quand ils étaient à Philadelphie.
Ils ne parleront jamais de quand il était à Montréal. Très peu. Il faut aller au musée Berliner pour le savoir. Donc là, c'est la même chose. Ils ont eu une super idée. J'ai dit, hey, on a tout un répertoire. On a un patrimoine de chansons québécoises d'avant les années 50, dont certains éléments, dont certaines chansons ont eu un succès phénoménal. Puis, on les connaît à peu près pas quelques-unes de la Bolduc, on va y revenir, mais plein d'autres choses qui ont existé avant et qui n'y avait pas. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas qu'on ferait ça, faire un projet où on va revisiter ce répertoire-là, puis le présenter, pas comme ça, parce que chacun va faire son remix comme il veut, mais bon. Alors, à partir de là, ce que j'ai décidé de faire en 2009, juste pour tester, j'ai fait un remix du gros hit de Madame Bolduc qui s'appelle « Ça va venir, découragez-vous pas ». Que peut-être vous connaissez, au cas où que non, surtout les Français probablement ne comprendront pas ce qu'elle dit, mais ne comprendront pas non plus le contexte. Mais pour le dire vite, c'était la Grande Dépression. Madame Bolduc écrivait des chansons pour ranimer un peu, l'optimisme du peuple québécois. Et cette chanson-là, elle s'est vendue à peu près 1 million d'exemplaires, c'est-à-dire en papier puis en disque. C'était un immense hit à l'époque. Le monde n'avait pas d'argent, mais il voulait entendre la Bolduc. Je fais entendre un extrait de ce qu'elle a fait. Sa sœur joue le piano, ou sa fille, je ne me souviens jamais, et elle chante évidemment, écrit les paroles et la musique. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur, il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer, de l'ouvrage il va en avoir pour tout le monde cet hiver, il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement, ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. OK. Donc, j'ai décidé de prendre cette chanson-là parce que c'était pour moi la plus évidente de cette époque-là, une chanson qui a frappé l'imaginaire québécois, qu'on entend encore aujourd'hui souvent, puis que la plupart des Québécois connaissent. Je dirais, là, si les Québécois ici levaient la main, ceux qui connaissaient cette chanson-là, bon. Je pense que la majorité des Québécois la connaissent. Donc, j'ai dit, OK, je vais faire un remix de ça, qui sonne, disons, son époque. J'ai fait ça en 2009, ça fait déjà quand même 7 ans. Mais je vais en faire jouer un bon bout parce que, puis je vais sauter, en fait, donc pour ça, il faut que je sorte de là. Je vais sauter dans le bridge pour ne pas vous allonger ça trop longtemps, mais voici ce que j'ai fait. Donc, après avoir fait ça, j'ai dit, OK, il me semble qu'on... Puis en plus, ce qui s'est passé avec cette chanson-là, ce remix-là, c'est que c'est devenu le thème... En fait, le musée de Bolduc, de Madame Bolduc l'a utilisé comme chanson, thème de truc. Donc, quand tu vas là, c'est ça qui joue, en tout cas, qui jouait pour quelques années,
Après, ça a été choisi comme thème d'émission pour Radio-Canada aussi. Puis donc, il y a eu un certain... Il y a eu un peu de diffusion. Fait que j'ai dit, OK, ça pourrait être intéressant de faire un vrai projet. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait une demande de subvention au projet de recherche-création, c'est-à-dire au programme de recherche-création du FRQSC, qui justement prévoit des fonds pour réaliser des projets qui comprennent la recherche et de la création. Je vais en parler dans très peu de temps. Et donc, ils nous ont donné 150 000 $ pour faire un disque de remix. Et j'ai dit, c'est le fun, on va pouvoir faire ça. Mais évidemment, pas juste faire de la musique. Il y avait aussi une partie recherche. Donc, en gros, l'idée, avant tout, il fallait rédiger la demande, puis ensuite, obtenir les droits, c'est-à-dire la permission de l'éthique, l'autorisation de l'éthique pour mener la recherche. Parce que l'idée, c'était, oui, on construit un album de remix de chansons québécoises enregistrées avant les années 50, mais aussi, on va observer le processus de création. Donc, comme aujourd'hui, j'ai signé une feuille pour dire, OK, oui, tu peux me filmer, mais il fallait faire ça avec tous les remixeurs qui soient enregistrés, qui soient filmés. Puis en plus, il y avait toute la question des droits d'auteur, la question de comme, si jamais on sort un disque, puis s'il fait de l'argent, il se passe quoi avec ça. Donc, ça a pris 6 mois de négociations intenses avec les Cérubes. C'était la première fois qu'il y avait un projet du genre. Donc, juste ça, ça a été long, mais surtout, ça nous a permis déjà de comprendre plusieurs choses. Par exemple, chacun des remixeurs portait 4 casquettes différentes. Une première de créateur, parce qu'eux allaient faire les remixes, mais il fallait les rémunérer pour ça, mais on ne pouvait pas les rémunérer comme créateurs. Donc, il y avait une autre casquette d'auxiliaire de recherche. On les engageait pour le temps qu'ils mettaient à faire leur travail. Mais certains d'eux suivaient mon cours de pratique et théorie du remix. Donc, il y avait une casquette d'étudiant. Il fallait faire attention de distinguer les deux choses pour pas que le projet ou le cours influence l'autre, etc. Puis finalement, il y avait une casquette de participants à la recherche, c'est-à-dire que là, ils acceptaient qu'on les filme, qu'on fasse des entrevues avec eux et tout. Puis l'objectif pour la recherche était justement celle d'identité, essayer de déceler qu'est-ce que ça veut dire remixer aujourd'hui, puis comment s'intègre dans ce questionnement-là la pratique du remixage en particulier. Il y avait une question aussi interculturelle, parce que oui, on était au Québec, puis c'est toutes des chansons québécoises, mais comme on va le voir, il y avait plein de remixeurs qui n'étaient pas du Québec. Puis je vais en parler évidemment tout à l'heure. Puis là, vous voyez, il y a recherche volet historique. C'est qu'en plus, les remixeurs, souvent, étaient jeunes, votre âge. Donc, ce qui se passait, c'est qu'ils ne connaissaient pas l'histoire du Québec en général, surtout ceux qui venaient du Maghreb, ceux qui venaient de la France aussi, mais aussi de la Roumanie, puis bon, d'autres pays. Donc, ce qui a fait qu'on a engagé dans l'équipe des musicologues, c'est-à-dire un postdoc musicologue, qui, lui, a comme synthétiser l'histoire du Québec, surtout par rapport à l'époque en question, et aussi, surtout, les portraits de qui étaient les artistes importants de l'époque, les producteurs importants de l'époque, les industries, tout ça, pour qu'il y ait une idée globale de qu'est-ce qui était le contexte dans les années avant les années 50. Donc, on parle, là, la plus vieille chanson, je pense que c'est 1927 qui a été utilisée, ou 22. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire, la chanson québécoise à cette époque-là? Et puis, eux, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire de la ranimer aujourd'hui dans un autre contexte? Parce que tous ces remixeurs-là avaient une seule contrainte, c'était d'absolument utiliser d'une façon ou d'une autre un ou des enregistrements de l'époque. Pas la chanson, pas refaire la chanson, bon, on va engager une chanteuse puis elle va rechanter la Bolduc. Non, il fallait que ce soit, il fallait au moins qu'il y ait des extraits ou des enregistrements des extraits d'enregistrement de l'époque, pour entendre, si on veut, le côté vieillot, puis donc, à la fois, créer une espèce de carrefour à l'aide du numérique entre l'histoire puis aujourd'hui. Alors, voilà un peu le contexte général de ça, ce qui m'amène à vous parler de recherche-création. Donc, c'est un projet de recherche-création. À l'époque, cette définition-là n'existait pas parce qu'on l'a fini, Sophie, quoi, la semaine passée? Parce qu'on est en train de réécrire, on a écrit un livre en 2013, qui a été paru en 2013, fin 2013. Mais là, on est sur une version en anglais, mais finalement, qui est un tout autre projet. Puis donc, pour faire court, je vais vous résumer ça rapidement, mais la recherche-création, c'est une approche particulière, qui n'est pas en fait une discipline, en tout cas, qui peut être considérée comme discipline, mais là, je vais vous en parler comme de manière méthodologique. C'est une approche qui s'applique à un projet mené par un individu ou plusieurs personnes, puis qui va combiner des approches
des méthodes, c'est-à-dire puis des pratiques artistiques à l'intérieur d'une dynamique, si on veut, de relation, d'interaction causale. C'est-à-dire que le processus de recherche va influencer le processus de création et le processus de création va influencer la recherche. Okay? C'est ce que ça veut dire causal dans ce sens-là. Puis qui va donner lieu ensuite à des résultats qui vont être et artistiques et de recherche, on va dire. Puis évidemment, la forme que peut prendre ces deux types de résultats-là peuvent être multiples. Ça peut être les manières standards, c'est-à-dire un article scientifique puis un enregistrement, mais ça peut être aussi mélangé. Et nous, c'est ce que nous avons choisi pour ce projet-là, c'était de créer une interface numérique à l'intérieur de laquelle va se combiner à la fois les résultats de recherche et, puis en plus même des données, parce qu'on a toutes des vidéos, des extraits, je vais vous en montrer tout à l'heure, des extraits des membres de l'équipe. Et donc, on avait une espèce de mode de diffusion relativement, je dirais, approprié pour la recherche-création, où on allait avoir ces deux discours-là, artistiques et scientifiques, si on veut, qui pouvaient se mélanger. On pourrait évidemment avancer encore plus là-dessus. Moi, je pense que la recherche-création, de par sa nature causale, est un lieu vraiment intéressant où on peut faire se mélanger des approches de ce type-là que d'autres manières ne nous permettent pas de faire. Juste un article scientifique, oui, on peut illustrer maintenant sur le web avec des extraits sonores, mais d'avoir une espèce de structure qui nous permet de faire interagir les deux, comme ça a été le cas pendant la recherche, ce n'est pas évident. Donc, c'est sur cette base-là, on peut y revenir si vous voulez, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est simplement pour vous dire que c'est un projet de recherche-création et qu'évidemment, les musiciens, en remplissant leur journal de bord, on va en reparler tantôt, mais en remplissant leur journal de bord, faire des entretiens, se voir entre eux, évidemment, puis de discuter avec les chercheurs, puis avec les musicologues, influençait directement le processus de composition qui, évidemment, tout ce qu'ils faisaient aussi nous faisait réfléchir aussi sur le plan de la recherche à qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'on est en train de voir, puis ce qui a mené à une question de recherche finalement en lien avec l'identité qui n'était pas au départ nécessairement la question envisagée, c'était plus une question, je dirais, traditionnelle, un questionnement sur le processus de création. Mais là, ça a migré du côté de l'identité, puis l'identité, en fait, du clash d'identité. Je vais y revenir plus tard. Un petit mot sur l'équipe. Je vais revenir sur mes vrais slides. L'équipe est constituée, bon, évidemment, moi, je dirigeais le projet, mais il y avait Gérald Côté, qui était un ethnomusicologue, puis qui était impliqué de près dans le projet, qui s'intéressait, en fait, beaucoup plus au côté ethnographique, donc à l'analyse des entretiens et tout ça. Moi, je m'occupais surtout, bon, de l'ensemble, mais surtout de la partie création. Puis on avait une douzaine de remixeurs, en fait, oui, c'est ça, 12 remixeurs. Je vais aller voir les noms plus tard et tout. Puis il y avait ensuite les étudiants musicologues dont je vous ai parlé. Il y avait Luc Bellemare, Meira Saint-Laurent, qui est encore doctorante ici, Yannick Lapointe aussi. Puis il y avait d'autres étudiants qui se sont ajoutés au fil du projet. Il y a Dragos Chiriac, oui, qui était déjà un remixeur, mais qui s'est aussi ajouté pour d'autres travaux. Jean-Ambroise Vézac, qui est maintenant professeur en Abitibi. André-Adolphe Simard pour le graphisme. Michael Garanchier, qui vient tout juste de s'intégrer pour finaliser l'interface, parce qu'on en est à cette étape ultime de mettre l'interface en ligne. Donc, tous les enregistrements sont faits, toutes les données sont faites, il serait juste à les intégrer dans l'interface. OK. Donc, je vais vous parler un peu des résultats artistiques. Au début, on planifiait de faire ça sur l'interface iTunes LP. Je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous allez sur iTunes, parfois, il y a certains albums comme Justin Timberlake, je mélange toujours les deux, qui utilisent ces interfaces-là. Donc, c'est comme une espèce de navigateur DVD de l'époque où on choisissait qu'est-ce qu'on voulait aller voir, des photos, faire jouer le film ou aller voir des explications sur le film. Bon. Donc, c'est un peu ça, mais c'est intégré dans iTunes. Donc, on trouvait ça bien intéressant, mais ils ont abandonné, en fait, il y en a encore, mais ils ont abandonné le truc parce qu'il n'y avait pas assez d'artistes qui s'en servaient. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est pour ça que ça prend du temps, c'est qu'on est obligé d'abandonner nous aussi, mais on va plutôt l'intégrer dans un site web, l'interface, en utilisant ce qu'on a codé jusqu'à maintenant. Puis donc, là, ça, c'était le projet de page d'accueil, mais qui va changer. Là, les textes qu'ils ont là ne sont pas des bons textes, mais ça vous donne une idée du projet. Et là, je vais vous faire voir une vidéo qui dure à peu près 5 minutes et qui va vous présenter quelques remixes très rapidement, puis des petites phrases que vont dire les remixeurs. Donc, ça va au moins vous mettre en contact avec,
avec quelques-uns des remixeurs. Puis donc, je pourrais vous reparler après. Je vais vous faire entendre un extrait de chacun des remixes, à moins que vous vous tannez puis que vous vouliez qu'on laisse tomber. Mais je pense que ça va vous intéresser juste de voir, comment je dirais ça, donc, l'éventail de variétés musicales incroyable qui s'est fait, même s'il y a plus de chansons, disons, dans le pop, mais il y a beaucoup de choses aussi assez expérimentales. Merci, vous allez voir. Donc, je vous fais entendre, je vous fais voir le petit vidéo qui a été fait, en fait, pour une conférence en Norvège. Donc, c'est comme traduit en anglais en dessous, mais vous allez les entendre parler en français quand même. Je disais, je tombais en grec, mais je lui dis hop hop sur la rivière, je dis hop hop sur la rivière, je dis hop hop, je fais du skate. L'amour, tout ça, quelque chose qui accompagne la voix. Et ça a fini que j'ai pas du tout fait ça en fait. Qui rappelle un tempo, quelque chose comme ça. C'est très. C'est un peu. Cristallin comme son électro. Une grosse soupe, tout ça. J'ai essayé d'un peu minimaliser, un peu de réduire mon matériel. Ce qui me permet de travailler n'importe où. Que c'est la même racine latine, c'est joyeux, c'est festif. Ça, vous l'avez entendu déjà. Donc, vous voyez un peu déjà une espèce de portrait général.
comme vous avez vu, il n'y avait aucune limite sur les styles qu'ils pouvaient utiliser. Puis, ils avaient accès à tous les outils qu'on leur avait donnés pour aller chercher le matériel musical. Donc, par exemple, on avait eu des ententes avec la Bibliothèque nationale du Canada puis du Québec pour qu'ils puissent avoir les versions de meilleure qualité possible. Il y en a même qui ont été retravaillées pour les donner aux remixeurs. On a aussi leur donné la possibilité de les filtrer, c'est-à-dire qu'avec une compagnie qui s'appelle Audionamix, française et new-yorkaise, on a pu avoir certains ne voulaient pas entendre, ils voulaient juste isoler la voix. Donc, avec un certain logiciel, on était capable d'extraire, je dirais, 80% de la voix numériquement pour qu'ils puissent ensuite l'intégrer beaucoup plus facilement à l'intérieur des remixes. Donc, ils ont toutes sortes d'outils comme ça dont ils ont pu se servir. Puis, il y avait aussi le LARC, qui est notre laboratoire du numérique de recherche-création en bas, qui est un grand studio d'enregistrement hyper équipé. Mais finalement, il y a à peu près deux ou trois qui sont venus parce que la plupart ont travaillé chez eux avec leur ordinateur. Puis, ils ont pris tout à fait leur décision seuls. Par contre, ce qui se passait, c'est qu'on avait des réunions de production, je dirais une fois par mois à peu près au début, puis ensuite, ça s'est espacé, pour que les gens fassent entendre les petites idées qu'il y avait, puis où ils en étaient, puis avec les musicologues qui étaient là aussi pour les aiguiller et tout ça. Donc, ça a créé une effervescence pendant certainement les deux premières années du projet, vraiment intéressante, une interaction entre tous les remixeurs qui retournaient chez eux, qui retravaillaient. Certains allaient au LARC, comme Dragoche, par exemple, lui, il avait sa boîte attitrée, sa petite régie à lui. Mais à la fin, évidemment, le mastering, ça s'est tout fait ensemble. On a tout fait ça ensemble. C'est la dernière étape de production, là, juste avant le disque. Mais sinon, la plupart ont tous enregistré, mixé chez eux. Quelques-uns sont venus mixer au LARC, à peu près trois des 15 remixes. Finalement, il y a un des remixes qui a dû être extrait pour des raisons de droit d'auteur qui n'avait pas été demandé. Donc, on a 14 remixes, finalement, qui apparaissent sur l'album. Une autre chose que je veux vous dire, c'est qu'au début, on visait d'avoir deux remixeurs avec nous. Donc, moi qui allais faire des remixes, puis deux autres. Puis on s'est dit, hey, à ça, on va être capable de se faire un album. Donc, on a demandé, on a fait une annonce, puis on a diffusé ça à travers nos étudiants, mais aussi d'autres gens qu'on connaissait. Puis on a reçu 15 dossiers avec 15 portfolios, et c'était tous intéressants, donc on les a tout pris. Finalement, on a décidé qu'on changeait, puis qu'on allait s'adapter à cette diversité-là qui nous était proposée, à laquelle on n'avait jamais pensé. Puis donc, on s'est ajusté, on s'est entendu avec eux qu'il allait avoir un peu moins d'argent parce qu'on n'avait pas d'argent assez pour... Nous, on avait visé deux, mais finalement, tout a fonctionné, puis on a pu avoir tout le monde. Fait que je vais vous faire entendre des petits extraits. Là, les deux premiers, vous avez déjà entendu, mais juste pour vous rappeler le premier extrait de quoi il s'agit. Mais là, pour ça, il faut que je ressorte ici parce que... Puis je vais vous faire entendre, ça, c'est le remix de Daniel Coulombe. Daniel Coulombe, pour vous replacer, là, on parlait de L'Oreille ou Peak Media, par exemple. Eux, ils font des trucs radio, des identifications radio, par exemple, pour des stations, pour des... Bien, Dan Coulombe l'a fait pour toutes les stations du Québec puis les chaînes du Québec pendant au moins 10 ans, 15 ans. Tout avec CKMF avant le réseau, Énergie. Il en fait encore, il fait beaucoup. Donc, il faisait ça, mais en plus, il produisait de la musique. Puis moi, j'ai travaillé avec lui sur plein de projets. Puis, donc, lui a décidé, ça le tentait. Lui, effectivement, comme il disait tout à l'heure, il aime le kayak. Mais pour moi, ça révèle quelque chose, une autre identité. Ça révèle quelque chose pour moi d'une époque, d'une génération qui est un certain individualisme puis une espèce de stupeur par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, pas seulement musical, mais dans le monde en général. Puis lui, il a comme décidé comme de s'isoler, finalement. Il n'est jamais sorti de chez eux, même si c'est des chansons. Il a fait des remixes pour les B-52. Il en a fait pour les fleurs pour Salinger de... Comment s'appelle le groupe? Indochine. Donc, il est très connu dans le milieu, mais il a toujours resté dans sa petite cabane, puis il fait du kayak, puis il ne veut rien savoir. C'est une espèce de bébite étrange. Donc, il nous a fait ce remix-là. Je vous fais juste entendre surtout le milieu où il dit, c'est l'expérience quand on se renverse en kayak, puis on est sous l'eau, puis qu'on ressort, puis qu'on est content d'avoir réussi à revenir. Fait que je vous envoie là-bas. Vous avez entendu ça tout à l'heure. 15. Thank you.
Donc, chanson hyper festive, à la, même à la, je dirais, à un peu le miroir, en fait, de la version d'origine, qui était de Charles Marchand. L'enregistrement qu'il a choisi, lui, c'était Charles Marchand, l'enregistrement 1928 de Youp Youp sur la rivière, qui n'est pas une chanson folklorique. On pourrait en reparler de ça, c'est une autre question. Bon, le mien, on en a déjà parlé. Vous avez vu aussi Anthony Papavassiliou. Son nom, c'est Aken, celui qui a dit que finalement, ce qu'il avait prévu au départ, c'est pas ça du tout qui s'est passé. Qui a choisi une chanson d'Alice Robbie, 1945, M'amour, et qui a réintitulé M'amour. Mais c'est une chanson, ça, c'est un remix qui, dans lequel il faut plonger pour vraiment, vraiment saisir dans son intégralité, puis espèce de profondeur qu'il y a. C'est un long processus. Je vais entendre quand même un peu le début, puis ensuite, surtout vers la fin, pour voir comment il en est venu à manipuler les sons de la voix et tout ça, et comment ça, ça nous amène dans un autre monde très différent du début, relativement différent du début. Donc, les petits sons qu'on entend, c'est la voix qui est transformée. Je vais en sauter quelques-uns. Drague gauche, je vais essayer de faire surtout faire entendre ceux dont on va parler, mais je vais quand même vous faire entendre un ici, un extrait de L'Hirondelle que vous n'avez pas entendu. Olivier Soucy, qui faisait partie d'un groupe de musique folklorique et qui a décidé de faire un remix en jouant lui-même du violon dedans. C'est assez intéressant comme truc. La chanson, c'est L'Hirondelle d'Albert Viau, 1941, comme vous voyez à l'écran. Violon. Étrangeté parfois dans les remixes, mais peut-être celui qui est allé le plus loin là-dedans, c'est Philippe Navarro, qui faisait partie d'un groupe qui a été nominé au moins trois fois à la disque, puis qui est bon, qui font beaucoup d'expérimental. Et lui, c'est lui qu'on pourrait dire qui était le remixeur post-numérique de la bande. C'est-à-dire que lui, il ne voulait rien savoir du numérique carrément, mais en fait, ce n'est pas qu'il ne voulait rien savoir, c'est qu'il s'est rendu compte, lui travaille avec des choses qui sont jouées extrêmement lentes, très, très lentes. Puis donc, quand on va dans le très grave, si tu le fais de manière numérique, tu n'as jamais la même espèce de réponse parce que c'est physiquement pas la même chose qui se passe que faire des vraies ondes analogiques qui sont longues, donc à très basse fréquence, donc de longues. Donc, il fallait absolument qu'il utilise l'analogique. Il travaillait avec des 78 tours ou d'autres, n'importe quel autre type de disque, puis, ou les rubans magnétiques, comme vous avez vu dans son petit laboratoire que vous avez vu. C'est vraiment, sauf un vieux Mac des années vraiment du début, là, le reste, c'était tout analogique. Puis, ça sert seulement du numérique à la toute fin, même parce qu'il est obligé, parce qu'on est sur des supports numériques. Donc, il y a cette posture-là, puis je dis post-numérique dans un sens particulier, qui n'est pas celle d'ignorance du numérique ou de la fin du numérique. C'est celui d'une conscience du numérique, mais aussi de ses limites. Puis, l'espèce de rapport qu'on va entretenir avec et le numérique et l'analogique dans ce contexte-là, en tout cas dans le contexte strictement musical. On pourrait en parler plus tard. Donc, lui, il avait cette posture-là, puis en plus, qui concordait avec son approche
ou en tout cas la manière dont il exprimait son identité. Je vais tout de suite sauter un peu là-dedans, sinon on n'aura pas le temps du tout d'en parler, fait que je vais le faire à mesure qu'on parle des remixeurs. Philippe, par exemple, lui, a voulu réagir sur le tard à ce que le Québec a vécu dans les années 60, 50, 60, la noirceur de Duplessis, si on veut, puis surtout l'emprise comment on appelle ça, non? Les prêtres et tout. Ben, le clergé, exactement, sur l'éducation, sur, en fait, la politique. Et donc, il y a un regard assez acerbe là-dessus, comme plusieurs Québécois, mais pas tous, mais quand même plusieurs. Et donc, il a voulu explorer ça, mais il a fait ça avec des couches et des couches d'échantillons pris historiques, mais moins historiques, ou certains surtout qui s'est fabriqué lui-même. On est même allé au Larc jouer, faire des jams pendant des journées entières pour que lui est allé prendre des petits bouts de ça. Donc, c'est vraiment un remixeur dans le sens le plus profond du terme, je dirais, où vraiment il mélange des éléments qui sont apparemment tout à fait disparates, mais qui réussit à rendre cohérent. Mais on est dans le monde de l'électroacoustique ici, à mon avis, beaucoup plus, même si c'est dans l'analogique. Donc, il réussit à faire, avec des outils analogiques, des choses que très peu de gens sont capables de faire, même en numérique, surtout dans les gestions des graves, mais aussi dans l'expression d'un moment puis d'une identité. Fait que je ne peux pas le faire jouer parce que c'est trop long. Il faut vraiment entrer dedans, là. Je vais en jouer un petit bout de celle-là, un tout petit bout au milieu pour que vous voyez les couches diverses qui s'entrelacent. Si parfois la bonheur ne vous sourit pas, gardez un rêve joyeux et le bon temps reviendra. Ayez toujours un bon sourire et fermez votre parole. Jouer super lent, puis après ça, le groupe, nous, en studio, on s'est mis à jouer par-dessus cette piste-là hyper lente pour sortir autre chose de ça, puis à mélanger ça, bon, bref. Donc, c'est encore le aujourd'hui puis l'hier, mais en plus, vu d'une manière critique dans ce contexte-là. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin pour ça, sinon je n'aurai pas le temps. Myriane, vous avez entendu, elle a parlé tout à l'heure de son remix, en fait, d'une chanson folklorique interprété par Alphonse Morneau, qui en a fait plusieurs, qui a fait plusieurs enregistrements, disons, je veux dire, c'est pas commercial dans son cas. C'était le seul, en fait, qui c'était des enregistrements d'archives. Et elle a décidé de récupérer ça. C'est une histoire épouvantable, Blanche Biche. C'est une femme qui se transforme en chevreuil la nuit, mais sa famille ne le sait pas. Et son frère, par accident, la tue. Et ils vont la manger un soir. Mais c'est juste après l'avoir mangée que le père va se rendre compte que c'était leur fille. Puis voilà, une histoire épouvantable. Puis on a eu la chance d'avoir, celui qui a parlé tout à l'heure, qui a énoncé le texte poétique, Michel Faubert, qui a accepté avec joie de participer au projet. Puis qui a dit un texte original de Myriane sur le remix, puis avec, derrière, Alphonse Morneau. C'est très intéressant, ça aussi, comme type de remix. Je vous fais entendre un extrait de ça. Mercurius, qui est un des grands remixeurs en ce moment, DJ de la scène techno hardcore. Ceux qui ne savent pas c'est quoi le hardcore, c'est une musique qui se joue à peu près à 160-170 BPM, donc c'est très rapide et très agressif, avec des basses fréquences qui ne sont pas là, c'est, vous allez voir très rapidement. Mais voici comment il a présenté une chanson « Je croyais » de Fernand Robidoux, une chanson de crooner pour exprimer son amour à sa douce. Finalement, on finit par savoir à quoi il croyait à la toute fin de la chanson, mais il a donc séparé ça comme ça.
Très efficace, je trouve. Ensuite, des choses qu'on ne savait pas, on ne sait pas, du point de vue identitaire, ce qui se passait à l'époque. Une chanson comme « Hitler est mort », c'est encore épouvantable ce qu'il dit. « Hitler est mort », c'est une chanson qu'on chante aujourd'hui dans les, au jour de l'an, là. Mais les paroles de tout ça, « Enfin, il est mort, il est sur son tank avec ses entrailles ouvertes, puis youpi, enfin, ça va bien. » C'est ça, en gros, qu'il dit. Je vous fais entendre juste le début, si vous vous souvenez. Donc, il est mort, vas-tu en avoir du plaisir de l'agrément? Toutes les entrailles dans le soubassement. C'est assez raide, hein? Je veux dire, on n'a pas des chansons comme ça aujourd'hui. Puis d'en être content, évidemment, on peut se placer à l'époque que oui, on était content. Puis donc, le remixeur, lui, envoie une espèce de vision, le contraire d'utopique, c'est dystopique. Du monde. Bref, je veux finir avec un autre cas qui est celui de Mohamed Benami. Mohamed, lui, c'est un Marocain qui habite depuis 10 ans au Québec. Et dans son cas, il n'y a aucune connaissance de l'histoire du Québec. Il est arrivé là, lui, quand il est arrivé pour lui. Pour ce projet-là, il ne connaissait rien du Québec, il ne connaissait certainement pas Maurice Richard, il n'avait aucune idée c'était quoi le hockey, je veux dire, puis Jeanne d'Arc, Charlebois ou la Bolduc, rien, mais il a embarqué dans le projet puis il nous a proposé sa vision, qui est en fait très, très pop, sachant que c'est un musulman hyper pratiquant, mais anti-islamiste radical, très important dans son cas, qui lui croit un islamisme, comme d'ailleurs la grande majorité des musulmans, progressiste. Puis donc, il défend ça, puis, mais ça se défend, ça se manifeste comment? Ça se manifeste par des emprunts à la culture américaine. C'est ce qui se passe, par exemple, ceux qui ont lu l'article avec The Voice arabique. Donc, c'est un peu ça, c'est de cette manière-là qu'ils contournent un peu ou qu'ils vont affronter les espèces de non-dits puis de la culture plus intégriste dans leur pays. Donc, c'est pour ça qu'il a fait une espèce de version, je ne sais pas si c'est celle-là que je vais faire entendre, ou plutôt l'autre, qui est ces hommes ici, parce qu'il a demandé à un de ses amis français de chanter, mais c'est évidemment d'origine arabe, et donc il y a un très, très gros accent arabe. Puis écoutez, qu'est-ce que ça donne? C'est une chanson originale, mais avec de la Bolduc par-dessus. Raconte l'histoire des ouvriers québécois dans les années 30 qui se faisaient soutenir par la Bolduc, mais sous un regard extérieur marocain, musulman, puis qui correspond en fait à des valeurs que lui défendait aussi. Donc, c'est très intéressant de voir, là, si vous relisez l'article à la lumière de ça, puis on a beaucoup plus de données, mais on va retourner là-dedans, mais il y a vraiment quelque chose d'une identité remixée, justement, c'est-à-dire que ces remixeurs-là ont pris des éléments musicaux ou de cultures diverses et ont réussi à exprimer, je veux dire, d'une certaine manière, de rendre de manière le miroir de leur propre identité reconstruite. Même chose pour Julian Gutiérrez, qui lui est cubain, vous l'avez vu, c'est la même chose. Il a réussi à prendre des codes de l'un et de l'autre. Lui non plus ne connaissait pas du tout la culture québécoise, mais c'est reconnu dans certains aspects de celle-ci, puis a décidé de le réintégrer dans le remix puis d'exprimer son identité à travers ça. Puis grâce, évidemment, au numérique, parce que ça permettait rapidement
à part pour le cas de Philippe Navarro, mais sinon, le numérique permettait rapidement de pouvoir créer ces casse-têtes-là, en fait, puis d'une manière, je trouve, au final, qui sont assez intégrés. Je trouve que c'est intéressant. Je ne sais pas, j'aimerais vous entendre. Vous n'avez pas pu tout entendre, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? Puis on pourrait aussi, dans la période de questions, approfondir peut-être plus la question identitaire. Je ne vais pas me prendre trop longtemps pour ne pas prendre trop de temps. Voilà. Parce que sinon, après ça, je peux parler de l'étude ethnographique plus en particulier, mais si tu me dis que s'il me reste 3 minutes, je peux. Si tu me dis non, on va tout de suite passer aux questions, puis je peux en parler à la période des questions aussi. OK, ça marche. Bien, merci beaucoup pour ça. On laisse la parole d'abord aux étudiants qui ont quelques questions, puis sinon, évidemment, tous ceux qui sont là qui veulent. Oui. Moi, je ne peux pas me lever, hein, c'est ça, je suis pris dans le cadre de la caméra. C'est pas grave. Eh bien, merci pour cette belle présentation. J'imagine que vous avez eu des retours de la part de vos étudiants qui ont remixé. Et je voulais savoir, est-ce que pour certains, de formations différentes, l'apport du numérique a changé justement les rapports qu'ils avaient avec la création musicale? Ah oui, c'est clair. Tout le monde nous le disait. Justement, dans le très, très court extrait que vous avez vu dans la vidéo de Mohamed, lui, il est toujours sur la route. En fait, il travaille entre autres pour Cat Stevens, par exemple, qui maintenant s'est converti à l'islam. Et donc, c'est lui qu'on voyait en photo à un moment donné avec Cat Stevens. Donc, il est toujours sur la route, il se promène partout dans le monde. Et il peut maintenant, avec son petit équipement, faire de la musique, mixer un peu partout. Donc, oui, ne serait-ce que pour ce côté-là. Évidemment, ils ont accès aussi... nous, on avait un budget pour acheter des trucs, mais on n'avait pas besoin. Il y avait déjà le matériel, donc... Cette portabilité-là, puis la qualité qu'ils ont maintenant seulement dans un ordinateur, évidemment, leur permettait de faire des choses qu'il y a 10 ans ou, mettons, 15 ans, on n'aurait même pas pensé faire, pas à ce degré-là, en tout cas, de qualité et d'interaction. Puis, justement, encore plus dans un contexte de remix où l'idée, c'est d'intégrer des éléments d'une manière que ça paraisse le plus homogène possible. Et oui, le numérique est... à peu près fondamental là-dedans, pour le faire en tout cas au moins dans un temps raisonnable. Philippe, lui, ça fait des années qu'il travaille avec l'analogique, et lui, il a une posture que je dirais post-numérique, c'est différent, mais c'est le seul qui avait cette posture-là, puis c'est un des plus vieux, là, il a mon âge à peu près. Là, bon. Donc, lui, c'est un défi pour lui d'aller à l'encontre un peu du processus numérique pour arriver à des résultats similaires et, de son point de vue, meilleurs, mais c'était quand même toujours en relation avec le numérique. Donc, tout le monde en a parlé dans leur discussion, le fait que les outils leur permettent, parce qu'on leur posait cette question-là d'ailleurs, que les outils leur permettaient de faire des agencements auxquels ils rêvaient, puis qu'ils pouvaient les faire d'une manière acceptable, puis même souvent qu'ils dépassaient leurs attentes. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Notamment oui. Dans le cas de Mohamed, j'imagine que s'il est marocain, il y a certains même gouvernements qui interdisent des pratiques artistiques. Je ne sais pas si c'est le cas au Maroc, mais... Probablement dans d'autres pays musulmans, mais là, lui, il n'est plus au Maroc, d'abord, puis il travaille beaucoup en Arabie saoudite, qui n'est pas beaucoup plus... bon. Mais là, pour la musique, ça, il n'y a pas de problème, apparemment. C'est plus pour d'autres questions, genre conduire quand on est une femme, des trucs comme ça. Mais sinon, au Québec, pour lui, c'est idéal. Il veut toujours être dans des projets, même gratuitement, parce qu'il peut encore une fois... c'est comme un kaléidoscope pour lui. Il voit à travers... sous plusieurs angles des réalités auxquelles il n'avait pas accès, puis il peut les intégrer, toujours de son point de vue, dans ses travaux musicaux. Il continue à m'écrire pour dire « Hey, as-tu d'autres projets? Je veux le faire gratuit, ça me tente. » Lui, il apprend en même temps en faisant ça. Et le numérique est un outil indispensable pour ça. Ouais. Merci. Merci. Vous avez parlé au début de l'intérêt du remix pour, disons, réactualiser une certaine histoire, ouais. Puis l'écrire nous-mêmes, la redécouvrir. Ouais. Mais pour tout ce qui est musique et chansons, il y a d'autres façons de le faire aussi. Ouais. Puis depuis quelques années, il y a énormément de reprises de chansons ouais. plus anciennes d'une certaine époque. Puis je me demande si j'aimerais ça vous entendre sur justement l'intérêt ou la différence de la posture que de choisir le remix plutôt qu'autre chose pour revisiter notre histoire okay. musicale. Ça, c'est un de mes sujets de recherche depuis des années. Mais j'essaie donc d'être court et bref en même temps.
C'est ça. Donc, là, on nage dans ce que j'appelle la transphonographie, l'adaptation de la transtextualité de Genette. Si vous êtes en littérature, vous connaissez peut-être Genette. Sinon, tant mieux pour vous. non, moi, je l'aime bien, mais je sais qu'il il vient barbant à la langue. Mais en gros, c'est ça. Il y a une différence fondamentale. Il y a plusieurs différences. La première différence, c'est qu'on travaille dans le domaine de ce que j'appelle l'autosonique quand on est dans le remix versus l'allosonique. C'est-à-dire que quand on fait une reprise, on la rechante avec notre voix, avec nos arrangements à nous, puis c'est différent. On peut imiter le mieux possible, mais l'oreille humaine est hallucinante pour être capable d'identifier s'il s'agit du vrai enregistrement ou d'une reprise d'un enregistrement, aussi bon sois-tu à essayer de le refaire. Même Paul McCartney qui réessaierait de refaire Yesterday, on y réussira à entendre que c'est une version de Yesterday, même si elle est dans le même studio avec les mêmes instruments et tout. Sauf, on a cette capacité-là. Et donc, le côté autosonique, c'est justement quand on prend un extrait enregistré puis qu'on le remet matériellement, physiquement, dans un autre enregistrement. Ça, c'est la première grande différence qui fait que ça a une toute autre signification d'entendre la Bolduc de 1930 dans un contexte musical différent. OK? Puis d'entendre des extraits qu'on entend qui viennent du passé. Ça a une trace physique qui peut être construite, mais qui n'a jamais le même impact que si c'est la vraie qu'on a déjà entendue en plus. Donc ça, c'est très important. Deuxième chose du remix, c'est qu'on combine des choses. Une version, c'est que tu fais une version, tu reprends la même chanson, puis tu la refais avec de nouveaux arrangements, puis oui, ça éclaire le passé d'une manière, c'est sûr. Mais quand tu combines soit différents échantillons de l'époque, ou soit un seul, mais que tu remets déjà dans un habit à cause du côté autosonique dont j'ai parlé, un habit nouveau, mais déjà là, tu as un niveau de profondeur différent, en tout cas un niveau de transformation qui est plus complexe déjà que juste d'avoir refait une version. Un exemple, c'est Julian qui a fait, je dirais, la façon degré zéro, en fait, du remix. Il a pris la voix, il l'a mis là, puis lui, il a joué avec son band cubain une musique par-dessus la voix. Le plus simple possible. Mais déjà là, d'avoir la Bolduc qui chante dans l'affaire cubaine, je veux dire, c'était complètement étrange, mais en même temps, ça fonctionne parce qu'il a beaucoup travaillé sur quels accords je peux venir utiliser pour éclairer ça. Puis lui, son but, c'était de dire comment Cuba peut parler avec Québec. C'était ça son objectif. Puis à mon avis, il a réussi. Ça a pris beaucoup de temps là, dans son cas parce qu'en plus, ils sont allés dans un autre studio, puis en tout cas, toute une histoire. Mais donc, c'est ça le remix. Il faut que tu te battes avec quelque chose d'extérieur qui est pas qu'il faut que tu réussisses à intégrer dans ton organisme. Là. Puis ça, c'est pas la reprise n'impose pas ça. Fait que je sais pas si ça répond en partie à ta question. Je pourrais aller plus loin, mais c'est surtout cette différence-là, je trouve, qui est importante. Puis donc, qu'est-ce que ça apporte? C'est qu'instantanément, tu as l'éclairage du passé puis du aujourd'hui en même temps. Tout de suite, on te perçoit à la première seconde, dès que tu entends un disque ou une vieille affaire, tu l'entends, puis quand il est habillé, paf, tu as tout de suite une opposition ou en tout cas une dynamique que tu as moins souvent dans une reprise, simplement. Moi, en fait, je me demandais, à la lecture de l'article, je regardais justement les... Parce que vous avez choisi pour la... dans le fond, pour l'article, vous avez choisi quatre... Je regardais si c'était des cas assez types, disons, qui étaient issus soit d'une autre culture ou bien d'une période historique plus éloignée, disons, assez particulière. Et donc, je me disais, au niveau du principe d'identité remixée, je comprenais bien à ce niveau-là, mais c'est des gens plus jeunes québécois. Ouais. Pour les autres mixeurs, par exemple, j'ai un peu de la difficulté à saisir le concept, oui. Puis je voulais vous entendre un peu là-dessus. Oui. Je vais donner l'exemple d'Olivier Soucy, il y a à peu près une trentaine d'années. Lui, il travaille à l'université, en fait, en bioagronomie. Puis il travaille, mais il faisait partie de son band folklorique. Puis pour lui, c'était une occasion unique parce que lui, quand ils font du revivalisme, si on veut, folklorique. Puis donc, il y a cette espèce d'attachement-là au passé. Mais il n'avait jamais eu l'occasion, puis de toute façon, ce n'était pas du tout dans l'esprit de son groupe, de prendre de la musique du passé comme ça, de manière autosonique, puis d'en faire quelque chose. Donc, lui, pour lui, c'était d'aller plus loin dans sa démarche déjà. Puis donc, oui, il y avait cette quête identitaire-là fondée sur l'histoire du Québec. Il y a beaucoup ça au Québec.
Philippe, c'était ça, mais avec l'idée de l'anticléricale, si on veut. Lui, c'était cette idée-là d'une espèce de continuation du folklore, de la tradition, très fort, mais avec un mélange d'aujourd'hui. Donc, il y a ça là. Dragoche, c'est un autre cas, mais est-ce qu'il en parle? Oui, il en parle dans l'article Dragoche, qui était celui du modernisme, de la modernité, puis son rapport, disons, avec la modernité. Je vais aller voir les autres cas. Myriane aussi, c'est la même idée, je pense, pour les Québécois en général. C'est pour ça que Gérald a choisi moins de cas. C'était toujours un peu la même, cette espèce de même intersection-là entre le passé et aujourd'hui, cette tradition-là qu'on occulte d'une certaine façon ou qu'on va vouloir revitaliser puis célébrer, mais en même temps, on veut s'en détacher. C'est un peu notre rapport aussi à l'Amérindien. On est 75%, on a du sang amérindien au Québec, mais on ne sait pas, là, ou en tout cas, on ne veut pas trop savoir, alors que ça fait vraiment partie de notre identité. Mais c'est un peu ça, il y a des choses comme ça du passé avec lesquelles on ne veut pas trop se connecter, mais qu'eux, on choisit d'aller se connecter parce qu'ils trouvaient que ça cadrait bien avec le monde d'aujourd'hui, puis le côté hyper-moderne, mais eux autres, ils ne parlaient pas d'hyper-modernité, mais ce côté-là dont Gérald parle. Mercurius, bizarrement, vous avez souri, vous avez ri même quand vous avez entendu son extrait, mais ça aussi, ça a un impact hyper puissant dans une culture de techno hardcore. Je veux dire, c'est sûr que ça, encore une fois, à travers cette culture-là, tu vas rejoindre quand même des liens du passé, même si tu vas avec le crooner de l'époque et tout, puis un côté humoristique, il n'y a rien là d'avoir de l'humour, pour moi, c'est aussi efficace qu'autre chose en art, mais je pense que c'est un peu la même chose qu'il exprimait. Ceci dit, on les a interviewés là-dessus, mais moi, je n'ai pas les extraits. C'est Gérald qui avait les extraits et tout. Il m'en a fait une espèce de rapport. Puis j'aimerais bien ça qu'il soit là puis qu'il puisse en discuter avec vous plus précisément. Par contre, je pourrais tout à fait vous donner ses coordonnées puis il serait très heureux d'en parler par Skype avec vous, si vous voulez, si vous faites quoi que ce soit pour le cours ou pour vous personnellement. Il n'y aura aucun problème d'en parler avec lui. Mais j'espère que ça répond un petit peu à la question. OK, merci. C'est quoi les logiciels qui seraient à la portée du public, mettons, à la maison, qui pourraient expérimenter GarageBand, pour remixer la musique? GarageBand, c'est le premier, okay. Oui. J'avais comme une deuxième question aussi. Puis, avec vos 12 remixeurs que vous avez utilisés, est-ce qu'ils utilisaient tout le temps les mêmes logiciels, les mêmes équipements? Est-ce qu'il y en avait des plus populaires que d'autres? Puis, il y avait chacun leur propre... C'était vraiment différent. Il y avait, par exemple, Dragoche, puis un ou deux autres utilisaient Live, Ableton Live, pour des raisons justement que c'est plus pensé DJ, puis c'est des gens qui sont, je dirais, qui ont moins de formation musicale, on pourrait dire ça comme ça, comme avec GarageBand. Mais pour moi, quelqu'un qui n'a pas de formation musicale, souvent, est bien plus musicien que quelqu'un qui en a. Pour des raisons que je pourrais passer une note comme, juste vous parler de ça. Je viens-tu de faire trouche, trouche, trouche dans le micro, moi, là, en le frappant, probablement. Donc c'est ça. Dan Coulombe, c'est pareil, mais lui, Dan, il travaille avec Cubase depuis, en fait, il a commencé avec Atari à l'époque, quand c'est sorti, dans les années 80, puis ensuite Cubase version 1, puis il est toujours dans Cubase, puis il travaille encore avec la version 3, je pense. Donc, lui, il y a une espèce de relation au passé aussi, parce qu'il a mon âge avec ça, puis il y a un multipiste 24 pistes qu'il utilise parfois pour aller chercher certains types de sons, qu'il va ensuite rééchantillonner puis réintégrer dans son travail. Mais lui, il travaille avec Cubase. Moi aussi, je travaille avec Cubase, Nuendo. Puis, avec Pro Tools, il y a Pro Tools, qui est un autre logiciel très connu, en fait, mais dans notre cas, il y a Myriane qui travaille avec Pro Tools, puis c'est tout. Les autres, il y a Mercurius qui travaille avec Fruit Loops. Lui, il fait du DJing techno hardcore. C'est le logiciel pour cette culture-là, en général. Je vais regarder les autres noms. T'as un peu Olivier, lui, il a travaillé avec Logic. Donc, Logic, c'est un autre logiciel connu. Puis Philippe, lui, il travaille avec son Ruban. Sa console. Donc, oui, c'est très varié. À peu près tous les... je regarde, Aken, lui, travaillait avec Live aussi, voilà. Puis, si je regarde, Benami travaille avec Logic aussi. Yves Dubois, je ne sais pas avec quoi il a travaillé. Je pense que c'était Logic aussi. Mais donc, tu vois, ça, en général, c'est très, très, très varié. Très varié. Puis, pour des raisons, en fait, c'est pas pour rien. Là. Il y a un rapport avec les logiciels qui sont... Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait presque personne qui utilisait Pro Tools. Ça, j'étais très content. Je haïs Pro Tools pour des raisons, oui, industrielles, mais aussi pour d'autres raisons de faire semblant qu'ils sont meilleurs que les autres, là, alors que c'est pas le cas du tout. Mais bon. Dans le texte que vous nous aviez donné, il y avait... un argumentaire sur le fait que le processus créatif est un métissage, une combinaison d'éléments existants.
et qui est surtout soutenue par une construction identitaire. Aujourd'hui, on est à l'heure où il y a des intelligences artificielles qui commencent à créer de la musique sans identité. Je voulais savoir quelle était votre position dessus. En fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai deux exemples en tête là, de création numérique sans identité. Je vais vous donner l'exemple, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais l'artiste japonaise holographique qui chante, qui a fait plein de shows, elle a toute une identité. Ils l'ont, pour plein de raisons. Premièrement, ils ont donné un visage, un corps, un groupe. Ils l'ont, ils ont donné une espèce de look aussi qui avait rapport avec toute une culture de la bande dessinée japonaise. Mais en plus, la voix qu'elle utilisait, c'était une personne en particulier qui était échantillonnée. Il y a quelques-uns qui sont échantillonnés avec ce logiciel-là fait par Yamaha. Et c'est eux qu'on utilise pour justement accoler une identité avec les personnages virtuels. Donc, je pense qu'au contraire, le défi, c'est de réussir à donner l'impression d'avoir une identité, mais aussi vicarious soit-elle, pour utiliser un mot français. Donc, c'est ça, c'est quoi vicarious en français? Vicarier, vicariel, je ne sais pas. Comment? Vicarious, qui veut dire pas réel, mais qu'on fait comme si c'était réel. Donc, je pense que oui, c'est le contraire, que ça permet de se questionner, en fait, sur l'identité, parce que tu as besoin, tu fais des efforts supplémentaires pour en donner une. Ça m'amène à une autre question qui un jour fera l'objet d'un livre, peut-être. C'est le côté fictionnel de la musique, puis en particulier de la musique populaire. Tout est construit sur de la fiction. Il y a eu un gros débat récemment parce qu'il y a un artiste, celui qui vient d'avoir le Nobel pour parler de lui, je veux dire, il a construit sa carrière sur un faux personnage. Il s'est construit un personnage, une fausse histoire, puis il y a toutes ces chansons qui sont déjà... tout est fictionnel. Donc ça, c'est comme le summum du fictionnel, puis c'est quelqu'un qui n'existe même pas en plus, puis auquel tu vas donner une identité. Donc je trouve que c'est un lieu vraiment intéressant de questionnement identitaire. Autre exemple, le dernier dont je veux parler, c'est... je ne sais pas encore le nom du groupe, mais ils viennent de faire des chansons dans le style des Beatles ou dans le style d'un autre avec un logiciel qui apparemment compose la musique tout seul. Alors que ce n'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que le logiciel, tout ce qu'il fait, c'est qu'il génère des mélodies, c'est tout, certains extraits mélodiques. Et là, il y a un compositeur qui, lui, va tout arranger, va engager des musiciens, va travailler. Et donc, c'est son identité qui est là, mais qui arrange d'une certaine manière un bout de mélodie qui a été composé par... à peu près par un ordinateur qui lui-même a été programmé par quelqu'un. Donc, pour moi, non seulement il y a une question encore d'identité, mais elle est encore plus présente et importante que jamais. Utiliser des échantillons sonores, parce que j'imagine que certaines œuvres étaient dans le domaine public, mais pas les enregistrements sonores. Ils appartenaient à des maisons de disques. Ils étaient tous dans le domaine public. On a fait bien attention, justement, pour ne pas en plus se perdre là-dedans. Déjà qu'il fallait s'entendre entre nous avec un espèce de contrat d'enregistrement. Puis on était avec Believe Digital, on est encore avec eux, d'ailleurs, pour savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite quand ça va être mis sur les plateformes. On n'est pas allé dans le libre accès ou les Creative Commons, pour ça, dont tu vas parler après. On aurait pu, je pense vraiment pour le prochain projet dont je viens d'être, pour lequel je viens d'être subventionné, d'aller de ce côté-là pour l'enregistrement, mais pas pour les droits du remixeur, parce que ce qu'il faut savoir, que tu connais sûrement, c'est que les remixeurs sont considérés comme des arrangeurs, donc ils ont le droit à 10-20% du droit d'auteur quand ils font des réarrangements de pièces existantes. Donc ça, on leur laisse, ça c'est sûr. On leur laisse. Je veux dire, on touche pas à ça. Puis donc, bref, pour répondre à ta question directement, non, on n'a pas eu de problème de libération de droits des enregistrements, ni des droits d'auteur des œuvres, puis ni même des droits de voisins ou quoi que ce soit, parce qu'on a choisi. C'était une des raisons pratiques pourquoi on avait ce répertoire-là, qui a donné bien avec ta raison, disons, historique. Donc, on a pris des enregistrements qui étaient libres de droits, pour répondre rapidement. Donc, le droit d'auteur, pour vous, a été une contrainte de départ? En fait, non, parce que c'est indirect, parce que, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était d'aller à la Bibliothèque nationale du Canada comme répertoire, parce qu'il y a à peu près tout, justement, ce qui s'est fait comme musique dans le passé. Mais c'est, par définition, libre de droit, ce qu'il y a là, sauf eux, le droit de pouvoir utiliser, dans un contexte comme le nôtre, ces enregistrements-là. Donc, c'était déjà réglé au départ. Fait que, voilà. Mais,
Oui, ça aurait pu être vu comme une contrainte, mais c'était beaucoup plus un point de vue esthétique, autosonique, d'entendre le passé, puis de le faire revivre. Puis plus c'est vieux, plus tu perçois ça, plus tu le perçois. Donc, il y avait une valeur esthétique à cette contrainte-là, finalement, avec laquelle on n'a pas eu à se battre, même si au départ, on pensait que ça allait être un problème, mais que ça n'a pas été. Heureusement. Bien, merci beaucoup. Le temps file. On va prendre la pause et on va reprendre dans quelques minutes avec Désiel. Merci beaucoup.
Bonjour. On reprend le séminaire sur les médiations numériques de la culture. Après la première partie avec Serge Lacasse qui portait sur un projet de recherche-création en remixage de chansons québécoises, on va basculer du côté des enjeux de diffusion et des enjeux donc un peu juridiques et commerciaux de la diffusion de la musique en contexte numérique aujourd'hui avec Guillaume Desiel qui a bourlingué dans toutes sortes de zones de la question numérique, mais notamment qu'on a connu pour ses stratégies de mise en marché atypiques pour le compte du groupe électropop Mister Valère. Et il agit maintenant à titre de stratège en culture numérique et en développement des affaires pour Gardy Fury. Il est éditeur de musique et fervent défenseur des Creative Commons, dont il va nous parler aujourd'hui, participant notamment à des comités et des forums sur l'avenir de la culture et du droit à l'ère du numérique. Donc, en plus d'être blogueur pour le Huffington Post. Je lui laisse la parole avec cette question large qui va essayer de nous débroussailler des licences Creative Commons appliquées au cas spécifique de la musique. Merci à toi. Merci beaucoup. Je vais juste passer ça. Bonjour tout le monde. Merci de me recevoir. Je vais vous faire une présentation. Je vais essayer de garder le plus de temps possible aussi pour un échange lors d'une période de questions à la fin. Alors, j'ai monté une petite présentation. Donc, voici mes coordonnées si vous voulez éventuellement parler dans mon dos sur Twitter live pendant qu'on se parle. j'ai même préparé un mot-clic pour Twitter. Donc, si vous avez envie d'aller soit retranscrire des phrases célèbres que je vais vous dire aujourd'hui ou bien tout simplement dire devant tout le monde que ça n'a pas rapport, bien, faites-le. Ça va me faire vraiment plaisir de pouvoir continuer cette conversation-là en dehors de la conférence d'aujourd'hui. Donc, à la base, j'ai pendant très longtemps fait une conférence qui s'intitule « Utiliser l'incontrôlable pour mieux vendre ce qui se contrôle ». Donc, c'est plus un point de vue marketing, je dirais. C'est ce qu'on a réussi à démontrer avec les gens de Mister Valère pendant plusieurs années, qu'il était possible de se servir de la gratuité de la musique dans certains contextes pour pouvoir réussir à tirer son épingle du jeu dans l'écosystème numérique. Je commencerai d'abord à faire un petit retour, un petit clin d'œil à mon ex-professeur Gérald Côté. Donc, je ne suis jamais allé à l'université, mais Gérald m'a enseigné au cégep en musique. Et donc, c'était entre autres lui qui me donnait le cours sur l'histoire de la musique. Et donc, je vais vous rappeler un peu ce que moi j'ai retenu de ce cours-là. C'est que d'abord, il faut comprendre que avant 1877, le contexte dans lequel on pouvait vivre de la musique, les modèles d'affaires de l'époque, c'était fondé sur la virtuosité. Donc, vraiment, d'abord, maîtriser son instrument. C'était aussi la possibilité de composer de la musique sous contrat de préférence d'un roi, par exemple, qui nous prenait sous son bras et qui disait « Compose de la musique pour moi et puis je m'arrangerai pour que tu sois entouré de bons musiciens pour interpréter ça et j'inviterai mes chummy-chummy bourgeois à venir écouter tout ça. » Le modèle d'affaires, évidemment, c'était ce qu'on appelle l'exécution publique de la musique, donc la performance sur scène. Et puis, pour pouvoir réussir à rentrer là, ça prenait soit son nom sur la liste VIP ou bien, tout simplement, d'acheter un billet à l'entrée. Donc, on était dans une économie d'accès à la musique. Et pourquoi je dis 1877, c'est que en 1877, est arrivé Thomas Edison avec son invention à capturer le son dans les airs, donc le DBSPL, que mes cordes vocales présentement émettent dans les airs grâce à leur claquement et qui font des petites vaguelettes d'air qui vont se heurter sur votre tympan présentement. Donc, il a inventé une machine à capturer le son dans les airs et à le fixer sur un support qu'on appelle, grâce au gramophone, qu'on appelle maintenant le phonogramme, encore aujourd'hui dans le langage jargon juridique. Et toujours pour continuer un peu dans la veine de l'histoire, il faut comprendre aussi que vers les années 60, il y avait un état de guerre froide. Alors, il y avait les méchants Russes et les bons Américains qui ne s'entendaient pas, qui étaient sous haute tension, ou aussi peut-être même les bons Russes et les méchants Américains. Ça dépend toujours du point de vue, j'imagine. Je suis allé en Russie en 1996-97 et j'ai rencontré des gens merveilleux là-bas. Donc, mais la guerre froide à cette époque-là a inspiré, je dirais, une agence de l'armée américaine qui s'appelle la DARPA à inventer une machine pour
protéger l'information numérique de l'époque. Et c'est là qu'ils ont inventé ARPANET, qui est l'ancêtre d'Internet aujourd'hui, ou le web sur lequel on navigue. Et donc, lorsqu'ils ont inventé ça, c'était précisément pour s'assurer que lorsqu'il allait avoir une bombe nucléaire qui allait tomber sur Seattle, l'information de tel ou tel ordinateur allait être copiée en temps réel sur tel autre ordinateur, je ne sais pas moi, dans l'État du Texas. Et donc, le but étant de photocopier l'information en temps réel. Disons, les vraies affaires, l'essence même d'Internet, à la base, était dans le but de faire la photocopie de l'information en temps réel. Et par la suite, bien, le milieu universitaire s'est mis à utiliser, je dirais, ce système-là pour pouvoir commencer à partager de l'information. Et c'est là que les connaissances ont commencé à être partagées dans des réseaux des différents, en fait, des intranets, des réseaux entre universités pour partager l'information, de sorte que si quelqu'un se lève le matin et invente une formule mathématique ou physique, bien, on puisse tous se coucher moins niaiseux le soir et s'en inspirer le lendemain matin pour écrire davantage l'histoire de la mathématique et des sciences en se fondant sur des trucs préexistants pour les développer davantage. Donc, c'est là que Internet est devenu aussi une machine à partager l'information au grand bénéfice de la collectivité. Ensuite de ça, pour continuer un petit peu dans l'histoire, en 1991, bon, évidemment, les gens ne s'entendent pas vraiment sur la date exacte de la naissance du Web. Tim Berners-Lee a inventé le protocole HTTP qui permettait aux gens de pouvoir naviguer entre eux à travers les hyperliens et tout ça. Donc, la genèse d'Internet est venue en 1991 où on a commencé à voir aussi, depuis ce temps-là, une démocratisation de cet accès-là dans les chaumières, de sorte que bien, certaines personnes pouvaient, à travers MIRC ou ICQ, chatter, clavarder avec des gens de l'Australie ou de la Russie à l'autre bout du monde. Et c'est là que, dans le fond, monsieur, madame, tout le monde a commencé à devenir un joueur dans cette toile-là. Je vais juste vous rappeler un peu, cours de communication 101, évidemment. Je ne sais pas qui d'entre vous a eu ce genre de classe-là. Mais à la base, en fait, qu'est-ce que c'est les communications? C'est un émetteur, des récepteurs et un message qui est divulgué. Et donc, dans un environnement comme celui-là, c'est très facile de pouvoir transmettre un message, une pensée unique et tout ça. Donc, ça, c'est la version de Charlie Chaplin. Une image que j'ai volée sur le web, alors je vous le dis, je suis coupable. Mais je cite quand même, qui est l'auteur original de tout ça, c'est la grosse boîte qui a fait le film de Charlie Chaplin. Tout ça pour vous dire que c'est facile de faire de la propagande et de passer une pensée unique dans un milieu de communication où est-ce qu'il y a un émetteur et plein de récepteurs. Ça, c'est l'équivalent de, je ne sais pas moi, une radio et plein de monde pogné dans les échangeurs un peu autour de la ville de Québec ou sur le pont Champlain à Montréal et qui n'ont que d'autre choix que de changer de poste si jamais ça ne fonctionne pas. Mais tout ça pour dire que dans ce temps, pendant le temps où on a vécu cette époque-là de la communication 1.0 qui date même de Gutenberg, de l'invention de l'imprimerie, il y a toujours eu le bouche-à-oreille. Et le bouche-à-oreille, en fait, c'est la version organique du web, c'est-à-dire tout le monde est à la fois un émetteur et un récepteur. Donc aujourd'hui, tout le monde est un point de retransmission d'informations, ce qui fait que bien, il y a encore la possibilité d'avoir de la propagande ou des informations fausses qui circulent. Les gens sont capables de la retransmettre, mais il y a aussi cette possibilité-là aussi d'avoir une certaine voix qui peut être entendue par certaines personnes. Et je pense que l'utopie du web a été... l'âge d'or du web a eu lieu jusqu'à temps que Facebook invente son Facebook EdgeRank qui réussit à vous faire parler 94% du temps dans le beurre sur les réseaux sociaux. Tout ça pour vous dire que cette histoire-là des communications et depuis, depuis l'invention du gramophone et du phonogramme. Il s'est passé quoi depuis 1877 à 1991? Il s'est passé 114 ans. Et 114 ans, d'un point de vue strictement anthropologique sur l'histoire de l'humanité, on peut se permettre de dire, mais c'est une petite parenthèse. Alors, c'est une parenthèse, c'est 1 mm sur 10 mètres ou c'est 6,5 secondes dans une journée. Donc, je ne sais pas si vous avez envie que je vous le répète. Je peux vous faire encore perdre 6,5 secondes
dans une journée. Vous ne m'en tenez pas rigueur, j'espère. Ceci dit, voilà, c'est pour vous rappeler un peu que toute cette parenthèse-là, en fait, qui était celui de posséder la musique depuis l'invention de Thomas Edison, jusqu'à en arriver aujourd'hui à accéder à la musique, qui est là grâce à l'invention du MP3, mais aussi surtout du web, l'invention de Tim Berners-Lee, ça fait qu'on est aujourd'hui dans un environnement où quiconque a un téléphone intelligent et une connexion LTE ou 3 ou 4G est capable d'avoir accès à une discographie mondiale de musique. Voilà. Je voulais faire cette espèce de préambule-là pour qu'on comprenne bien l'espèce d'écosystème dans lequel on est. J'ai aujourd'hui 41 ans et demi. Et en 1977, cet homme qui s'appelle Jacques Attali et qui me donnait d'ailleurs sa permission pour que j'utilise sa photographie, merci Jacques, a dit en 1977, alors que j'avais 2 ans, « La musique sera prémonitoire en basculant bientôt de la répétition en objet en une répétition virtuelle. Elle échappera aux lois de l'économie et ouvrira la bataille pour la gratuité de la création. » Alors, ou bien il en fumait du bon, ou bien il était très illuminé, mais dans tous les cas, il n'y avait pas tort. Et on s'en rend compte aujourd'hui. Et 30 ans plus tard, on a eu aussi d'autres personnes qui ont remarqué, je dirais, le phénomène. On a eu Lawrence Lessig qui a écrit un livre sur la culture libre, qui est aussi le père des Creative Commons. Et il en arrivait au même constat 30 ans plus tard, en précisant aussi qu'on ne pouvait pas attribuer les qualités du bien rival au bien non rival. Alors, j'explique un peu quelle est la différence entre un bien rival et un bien non rival. D'abord, une pomme, c'est-à-dire que, bon, c'est un bien que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, mettons. Fait qu'on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, avec le caméraman, 12. Alors, si je veux partager ma pomme aujourd'hui, nécessairement, puis je veux en avoir aussi un petit morceau, nécessairement, je serai dépossédé de 11 douzièmes de ma pomme si je veux partager de manière équitable ma pomme avec tout le monde. Et donc, partager signifie perdre individuellement pour le bien de la collectivité, j'imagine. Alors que si on prend le MP3, qui est un bien qu'on peut considérer comme étant non rival, j'ai un MP3 ici aujourd'hui que j'ai dans mon téléphone. J'aimerais vous l'envoyer à tout le monde par courriel. Donc, vous venez me voir après, on donnerait votre courriel, je vous enverrai le MP3. Et à partir du moment où vous allez recevoir ce MP3-là, vous allez recevoir 100% de la qualité et de la durée de la musique. Bien, la qualité, on s'entend, là. MP3, c'est pas la grosse affaire, mais c'est quand même mieux que rien. Donc, vous allez avoir 100% de ce que j'avais. Et moi, je n'en serai pas dépossédé. Donc, les biens dématérialisés, je vous parle des MP3, mais c'est la même chose avec tout ce qui est dématérialisé. Et même, je pourrais même m'avancer jusqu'à dire que les plans d'impression 3D de statues ou de design de bouteilles pourraient bientôt se retrouver aussi sur le web et faire partie de la future contrefaçon, disons-le comme ça. Lawrence Lessig, pardon, s'est posé la question dans l'écosystème dont je vous ai fait état tantôt. Comment adapter le droit d'auteur à l'ère numérique? Lawrence Lessig est un avocat et c'est un avocat qui avait un problème fondamental avec le fait que le droit d'auteur était une invention qui, au départ, avait comme objectif de protéger les auteurs tout en donnant des droits de copie aux éditeurs. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, il y a un effet pervers à tout ça, c'est qu'au niveau de la création, on l'a vu tantôt aussi avec Serge Lacasse, quand vient le temps de remixer, il y a des permissions qu'il faut demander à certaines personnes. Et ce ne sont pas toutes les chansons qui sont facilement remixables sans enfreindre le droit d'auteur, nécessairement. Alors, c'est une des problématiques qu'il a soulevées. Et c'est attardé aussi au fait que la durée du droit d'auteur était constamment tripotée par le milieu des avocats pour pouvoir faire en sorte que ça soit des œuvres à protéger plus longtemps. Donc, ça donne la job aux avocats, disons-le comme ça. Alors, la durée du droit d'auteur, par exemple, selon vous, la durée du droit d'auteur, c'est de combien de temps? Je vous pose la question, vous avez le droit de répondre. 50 ans au Canada ou 70 ans aux États-Unis?
En France aussi, c'est ça, de 70 ans. La durée du droit d'auteur, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, tapez « durée du droit d'auteur » sur Wikipédia. Vous allez trouver des tableaux qui expliquent quelle est la durée du droit d'auteur, tout dépendant des pays, ce qui complexifie drôlement les choses, parce qu'évidemment, la durée n'est pas la même d'un pays à un autre, mais le web est quand même un écosystème mondial. Donc, devant cela, en fait, et devant le constat aussi que protéger aussi longtemps, ça freine la créativité. Il s'est posé la question, il s'est dit, par défaut, le droit d'auteur est quelque chose qui est conféré automatiquement à la personne qui crée l'œuvre. Donc, c'est nécessairement cette personne-là qui a le gros bout du bâton et qui peut décider de quelle manière elle va disposer de son œuvre. Mais d'abord, posons-nous la question, mais qu'est-ce que le droit d'auteur? C'est une grande question. Et comme je ne suis pas avocat, je vous dirai un avis juridique, qui n'est pas un avis juridique, mais un avis non juridique, de dire « je ne suis pas un juriste, donc consultez un avocat si jamais vous voulez approfondir la chose ». Mais je serai ici pour essayer de vulgariser des notions que moi j'ai compris au fil du temps sans nécessairement faire mon barreau, je suis vraiment désolé. Donc, qu'est-ce que le droit d'auteur? Le droit d'auteur, par défaut, c'est tous les droits, tous droits réservés, tous les droits qui sont inhérent à l'œuvre que l'on invente. Donc, quand on crée une œuvre, elle est par défaut à nous et on possède tout de l'œuvre. Et personne ne peut rien faire avec cette œuvre-là tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une permission qui est demandée. Donc, c'est comme si le droit d'auteur est par défaut quelque chose qui ferme l'œuvre. On est loin de la mentalité ouverte par défaut, ouvert par défaut. C'est fermé. Et de là, il faut demander des permissions à la pièce. Mais quels sont ces droits réservés? Alors, d'une part, il y a le droit moral. Et dans le droit moral, il y a ce qu'on appelle le droit de paternité, qui a mis au monde l'œuvre, paternité dans le sens de papa ou maman. Donc, qui est l'auteur, le papa ou la maman de l'œuvre? Et dans le sens aussi du respect, de l'intégrité, de l'honneur, de la dignité. Donc, évidemment, si j'ai fait une œuvre et qu'elle est associée au Ku Klux Klan, j'ai le droit de me sentir hautement mal à l'aise du fait que mon nom ou mon œuvre, qui est nécessairement rattachée à moi, soit utilisée de cette manière-là. Mais lorsqu'on revient au terme d'intégrité, on parle aussi d'intégralité de l'œuvre. Donc, techniquement, une œuvre a le droit de rester telle qu'elle est. Alors, avant de commencer à charcuter dedans, puis prendre la bolduc, puis la mettre dans du reverb, puis de l'écho, puis la compresser, puis la mettre dans un high-pass filter, puis un low-pass filter, etc., en bout de ligne, techniquement, il faudrait demander la permission aux ayants droit qui détiennent les droits sur l'œuvre pour dire « Êtes-vous down avec ça? Êtes-vous correct? Êtes-vous correct avec l'idée qu'on fasse du neuf avec du vieux? » Et donc, techniquement, le droit moral est quelque chose qui permet justement aux gens de contrôler leur œuvre de cette manière-là. Et donc, le droit moral, mais il y a aussi le droit d'exploiter, ce qu'on appelle les droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux, en fait, c'est le droit de copier l'œuvre. Les vrais termes, c'est reproduction mécanique et synchronisation de l'œuvre. Et le droit de communiquer l'œuvre. On parle d'exécution publique, ça n'a rien à voir avec les têtes qui sont tombées sous les guillotines à l'époque de la Révolution française. On parle carrément de performance, donc de performer une œuvre ou de transmettre une œuvre. Alors, quel genre de droit d'utilisation, par exemple, la radio hertzienne, la Spotify, Deezer, RDO, etc. Donc, c'est de la transmission à la carte, donc je vais écouter sur demande. Le streaming web, par exemple, présentement, il y a une exécution publique de ma performance. Je suis là devant vous, sur place, et il y a une télétransmission. Alors, il y a des gens à la maison qui nous regardent, et grâce à la télétransmission, en fait, il y a techniquement un droit là-dessus. Moi, j'ai signé un papier comme quoi je vous donne le droit de prendre mon contenu et de le disséminer le plus largement possible sur le web. Et donc, vous m'envoyez très ravi, puis j'espère que ça va rendre des gens très heureux aussi. Ceci dit, donc, les droits d'exploitation, les deux, c'est le droit de copier et de communiquer. Donc, notre ami Lawrence Lessig s'est posé la question par rapport au fait que, entre tous les droits réservés, donc qui est l'espèce d'environnement du copyright, et l'environnement granola, altermondialiste, où tout ce que je fais n'est plus à moi, il appartient à tout le monde et tout ça, entre les deux univers,
ils ont donc c'est l'espèce de, d'action d'abandonner son œuvre carrément. Je l'ai mis au monde et je la donne à la collectivité. Donc, entre ces deux univers-là, qui sont diamétralement opposés et qui se tournent le dos, si vous voulez, il existe quelques nuances, en fait. Excusez-moi si on a un projecteur qui n'est pas capable de tomber dans cette teinte de gris, mais voyez, imaginez ce symbole-là, mais en gris pâle. OK? Alors, donc, on a plusieurs nuances. Et on a justement ces types de droits-là dont je vous parlais, qui sont un peu des sous-droits qui appartiennent aux droits d'auteur. Et donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, avec le droit d'auteur tel qu'on le connaît, là, traditionnel, le copyright? C'est que, par défaut, toutes les possibilités, c'est-à-dire de remixer une œuvre, donc de l'adapter, de la partager, donc d'en faire une reproduction, nécessairement parce que le web implique une reproduction, d'exploiter l'œuvre, donc de faire du cash avec, tous ces types de droits-là sont par défaut fermés. Et pour les ouvrir, ben, il faut demander la permission. L'environnement du Creative Commons propose un assouplissement de ces droits-là, pas un abandon, mais un assouplissement. Et dans tous les cas, je pense que la première réflexion de Lawrence Lessig, c'était de dire « Internet est un environnement de partage et de reproduction. » C'est un écosystème où il est très difficile, ça prendrait une police par personne qui double-clique pour pouvoir réussir à contrôler la reproduction des œuvres sur Internet. Alors, Lawrence Lessig, il s'est dit « What if on a, si on avait un endroit où on peut tout simplement toujours une manière de disposer de ses droits et par défaut, le droit de partager l'œuvre était permis tout le temps. » Donc, ce qui est fermé dans l'environnement du droit d'auteur, le copyright pur et dur, est ouvert ici. Et donc, ici, on peut partager l'œuvre dans l'environnement du Creative Commons. Mais Creative Commons, ce n'est pas qu'un univers. Il y a plein de sous-univers. Alors, quelles sont les différentes licences qu'on peut rencontrer? La première, en fait, c'est celle où on va allumer la switch ici, attribution, là. On va la mettre à « on ». Et on va aussi permettre aux gens de partager. On va la mettre à « on » aussi. T'sais. Donc, remixer, partager et exploiter commercialement. Donc, c'est de dire, vous pouvez faire ce que vous voulez avec mon œuvre. Cette licence-là dit en substance, faites ce que vous voulez tant que vous dites de qui ça vient, par qui ça vient. By, it's a work, by Guillaume, par exemple. Donc, c'est de juste d'honorer ce qu'on appelle l'attribution ou le droit de paternité de l'œuvre. Cette licence-là dit, faites ce que vous voulez, mais au moins, faites-le en honorant l'auteur original de l'œuvre dont vous vous inspirez. Ça, c'est la première licence. Il y en a une qui est exactement pareille, sauf qu'elle dit, faites ce que vous voulez, mais ce que vous allez faire va être condamné à être exactement dans le même genre de licence. Donc, cette flèche-là, share alike, veut dire partager l'œuvre dans les mêmes conditions. Alors, si vous faites un remix de l'œuvre originale, votre remix 1, appelons-le le remix 1, devra nécessairement porter cette licence-là qui dit aux autres, vous pouvez faire ça. Donc, c'est condamner tout utilisateur secondaire de l'œuvre à respecter cette licence-là. Ensuite de ça, on a aussi la possibilité de faire pas mal la même chose, mais de dire, bon, la licence, elle dit, tu peux faire ce que tu veux avec l'œuvre tant et aussi longtemps que tu attribue l'œuvre à l'auteur original, que tu cites de qui ça vient. Par contre, là, j'ai fait une erreur ici. Le petit bouton « on » devrait être ici. Par contre, la switch « remixer », elle est à « off ». Non, je n'ai pas fait d'erreur. La switch « remixer », elle est à « off ». Et puis « partager », ben, est à « on ». Évidemment, c'est toujours à « on » dans l'environnement du Creative Commons. Et puis, éventuellement, ben, vous allez pouvoir même faire de l'argent avec. Ça c'est bizarre. Ça veut dire que j'ai fait une toune, je la mets sur le web avec cette licence-là. Vous pouvez la partager à vos amis. Vous pouvez même la vendre tant et aussi longtemps que vous ne changez pas le titre de la toune qui dit « œuvre de Guillaume Desiel », œuvre de Guillaume Desiel, par exemple, ou dans les crédits. Donc, c'est quand même spécial. Mais on dit aux gens, vous pouvez faire de l'argent avec mon œuvre. Alors, c'est spécial. Mais voilà. Mais c'est un type de licence. Ensuite de ça,
L'autre type de licence qu'on a ici, c'est la licence attribution non commerciale. C'est que tout est possible tant aussi longtemps que vous rendez gloire à l'auteur original en citant qui est l'auteur de l'œuvre originale. Si vous faites un remix, par exemple, vous pouvez partager clairement, mais vous ne pouvez pas faire d'argent avec cette nouvelle version de votre remix, par exemple. Vous ne pourrez pas le commercialiser sans demander la permission. Ce qui implique qu'il faudrait que j'appelle l'auteur original et que je lui dise « Hey, est-ce que tu me permets de vendre mon remix de ta tune? » Et il va dire « Ben non. » OK, parfait. Ben, et il y a une négociation. Et c'est là qu'on va dire « moitié-moitié ». Et la réponse va peut-être être « ben oui », auquel cas il y aura une petite licence ou une permission écrite qui va être envoyée. Et la personne qui va avoir remixé l'auteur original va pouvoir à ce moment-là le faire dans un environnement d'exploitation commerciale. Donc, les différents remixes qui ont été faits par Serge Lacasse et son équipe dans le cadre de l'expérience, pourrait être sous cette licence-là, à mon avis. Mais ce n'est pas un avis juridique, bien sûr. Ensuite de ça, il y a exactement la même chose, mais c'est, encore une fois, c'est le même type de licence, mais qui condamne les autres à utiliser aussi ce même genre de licence-là. Et ce qui se rapproche, c'est de plus en plus restrictif, qui nous approche le plus vers le droit d'auteur pur et dur, c'est la dernière licence, Creative Commons, qui dit vous pouvez partager l'œuvre, vous devez citer toujours, attribuer l'œuvre à l'auteur original. Par contre, vous ne pouvez pas remixer. L'œuvre doit rester égale à elle-même, ou en anglais « as is », et puis ben, vous ne pouvez pas faire d'argent avec mon œuvre. Et cette licence-là, c'est cette licence-là qui a été utilisée dans le cadre des activités de Mister Valère. En gros, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de dire aux gens, je pense qu'à ce moment-là, excusez-moi, ouais, non, c'est pas celle-là, c'est l'autre avant, parce que nous, on permettait le remix. Voyez-vous la différence? Celle-là, elle condamne l'œuvre à rester toujours pareille, alors que l'autre avant, elle permet le remix. C'est celle-là qu'on a utilisée avec Mister Valère. Excusez si j'ai de l'air confus, c'est juste que je me suis réveillé avec une grippe. Alors, donc c'est l'effet des Tylenol, j'imagine. Donc, voilà, la licence qui a été utilisée dans le cadre des activités de Mister Valère, en gros, c'est « amusez-vous, prenez notre contenu, partagez-le, faites-en des versions plus originales que les nôtres, si vous voulez, des remixes et tout ça. Et puis, le jour où vous voudrez faire un album qui sera distribué à travers notre distributeur et éventuellement disponible en écoute sur les plateformes numériques, on se parlera. On négociera les conditions dans lesquelles on le fera. Soit dit en passant, j'ouvre la parenthèse, on était très ouvert à la mentalité équitable. Donc, ce qui est bon pour le café équitable et était bon pour la musique de Mister Valère, c'est que si une nouvelle personne arrivait dans le décor et faisait un remix d'une chanson originale, bien, toute la clé de répartition de l'œuvre originale était divisée en deux. Alors, il y avait un nouveau joueur qui arrivait dans le décor où tout le monde se tassait dans l'autobus pour laisser de la place au nouveau joueur qui arrivait. Donc, ce mode équitable-là était un mode qu'on préconisait d'entrée de jeu. Alors, j'ai un beau petit tableau ici. D'ailleurs, si vous tapez sur Internet, sur votre moteur de recherche préféré qui nous profile jusqu'aux os et jusqu'à l'âme, Google, pour ne pas le nommer, si vous tapez Creative Commons 101, vous allez tomber sur un article que j'ai écrit sur mon site, sur mon blog, et où est-ce que vous allez revoir exactement le même tableau. Et c'est là que vous allez avoir un récapitulatif de toutes les licences Creative Commons possibles et impossibles. Et comment ça fonctionne? Simplement, on va sur le site de Creative Commons et il y a un petit formulaire dynamique en ligne qu'on peut compléter qui va mettre en temps réel, à jour, toutes les informations qui vont vous permettre éventuellement, vous allez documenter aussi votre œuvre originale et ça va vous créer automatiquement une petite ligne de code, là, une espèce de embed que vous allez pouvoir mettre sur votre site. Alors, quiconque a un site Internet avec un « what you see is what you get », vous allez être capable de pouvoir cliquer sur « code HTML », copier-coller ça, puis ça va faire apparaître le beau petit bouton à côté de votre œuvre sur votre site. Notamment, on a des sites comme SoundCloud qui ont intégré les licences Creative Commons,
qui, lorsqu'on téléverse notre musique sur cette plateforme-là, nous demande « Qu'est-ce que tu veux faire avec cette œuvre-là? Est-ce que tu veux conserver tous les droits ou t'es game d'en laisser partir quelques-uns tout de suite maintenant et non pas faire en sorte que les gens attendent impatiemment jusqu'au moment où elle tombe dans le domaine public, ton œuvre, pour pouvoir commencer à s'amuser avec et avoir du plaisir? » Voilà. Donc, sur mon blog, ben, c'est comme ça que j'ai réussi à identifier que tous mes articles sont sous licence Creative Commons. Et aujourd'hui, la licence Creative Commons que je défends personnellement vaut pour ce qui est dit et ce qui est fait aujourd'hui. Alors, ça me fait vraiment plaisir. Partagez autant que vous voulez cette conférence-là. Faites du montage, idéalement, pour enlever les places où je me suis trompé aussi. Alors, dans un contexte comme celui-là, la question, c'est, ben c'est bien beau tout ça, mais par défaut, là, c'est le droit d'auteur qui arrive. Et puis, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une intervention de l'auteur lui-même pour dire, hey, moi, je serais à l'aise avec le fait que la collectivité puisse remixer ou partager ou même vendre ma propre musique, pourquoi pas. Et vous allez me dire, mais comment ça se fait? Comment qu'on peut vivre avec une licence? Ou est-ce que, ben, je vais revenir en arrière là, sur cette licence-là. Je pense que comme ça, ça va aller plus vite. Et cette licence-là ici. Comment on peut vivre avec ça? Mais figurez-vous que j'ai rencontré sur un panel portant sur le Creative Commons, en fait sur une éventuelle société de gestion de droits collectifs qui veut venir au monde, qui s'appelle le C3S, qui est lancée par des Allemands. Je ne sais pas où ils en sont dans le développement de cette plateforme-là. Mais il y avait un panel où il avait invité quelques personnes. Et il y a un des artistes qui était sur le panel qui, lui, faisait, c'est un artiste américain, et tout ce qu'il faisait était sous licence Creative Commons by. Donc, ça veut dire qu'on pouvait remixer, partager, faire de l'argent avec son œuvre et tout ça. Et donc, il se posait la question, les gens dans la salle se posaient la question, « Mais toi, comment tu fais de l'argent avec ça? Toi qui es si généreux avec la collectivité. » Et son modèle d'affaires était simple. Il disait, « Moi, je fais plein de musique que je me rends disponible à la collectivité. Et tous les pauvres utilisent cette musique-là sans demander quoi que ce soit, sans payer quoi que ce soit. » Et ça fait que, comme ils sont obligés de véhiculer mon nom, mon brand, ma marque de commerce, mon image de marque est véhiculée avec mon œuvre. Et ils sont obligés, par exemple, Nike pourrait prendre une de ses tunes et faire une publicité où est-ce que ça dit « musique par machin chouette ». Donc, dans un contexte comme celui-là, il y avait plus de gens qui percevaient de la valeur dans ce qu'ils faisaient. Et lorsque des gens, certaines personnes l'approchaient pour dire « j'aimerais ça avoir une chanson originale pour moi, exclusive pour ma marque ou quoi que ce soit », ben, il chargeait 80 000 $. Donc, ce gars-là gagnait 80 000 $ par année minimum pour pouvoir faire de la musique la plupart du temps qui était destinée à être imbécilement donnée sur le web. Mais, en définitive, une fois de temps en temps, il en faisait une petite exclusive pour telle marque et tout ça, qui avait un droit exclusif, qui finalement c'était un buy-out. Alors, il achetait tous les droits. Alors, je tenais quand même à mentionner ça parce que c'est un fait divers intéressant qui vient un peu déconstruire cette espèce de logique-là qu'on a, le préjugé qu'on a par rapport à la gratuité de la musique. Ce qui m'amène à penser que si la musique n'est pas une marchandise, comme ça s'est passé entre l'époque de Thomas Edison jusqu'à l'invention du web, si ce n'est plus une marchandise en soi qui est un bien rival que l'on peut contrôler, qu'on peut marchander, inventorier, transactionner, distribuer, etc., ben peut-être que ça devient un produit d'appel pour être capable de vendre autre chose que l'on contrôle réellement. Et on ne parle pas strictement que de T-shirt ici, je tiens à le dire, juste pour ne pas alimenter les rumeurs sur la chose. Les produits dérivés, ça peut être le spectacle, l'utilisation de la musique dans des films, dans des publicités. Ça peut être évidemment des produits dérivés comme des disques physiques, vinyles et tout ça. Ça peut être des conférences et ça peut être le fruit de votre imagination, mes amis. Voilà. Mais la question se pose, dans un environnement comme le Québec, qui est en train de faire un grand virage numérique présentement, et au Canada, qui est en train de faire un grand virage numérique aussi, comment réussir à stimuler l'adoption des licences Creative Commons? Ça, c'est une bonne question. Alors, moi et mes amis de Musique numérique, qui est un think tank dédié à la musique à l'ère numérique, on a fait une espèce d'expérience de réflexion devant le constat que, bon, un virage numérique est lancé en 2010,
Christine Saint-Pierre, à l'époque, lance le virage et fait un appel au CALC et à la SODEC, donc le CALC qui s'occupe des artistes et la SODEC qui s'occupe des exploitants des artistes, de se pencher sur le genre de virage à adopter. Et donc, un grand chantier a lieu et ça donne lieu à 22 recommandations auprès de, issues de la SODEC et puis, si je ne me trompe pas, 38 du CALC, quelque chose comme ça. En fait, au final, 36 du CALC. Salut bien, à bientôt. Fait qu'au final, on se ramasse avec 58 recommandations. Et là, les casseroles arrivent, le vent politique tourne, et puis ben c'est là que les libéraux sont défaits, pas pendant très très longtemps, pendant 18 mois à peu près, et c'est là qu'arrive en place un nouveau ministre de la Culture, et là, tout est à recommencer. Bon. Et devant ce fait-là, moi et mes amis de musique numérique, on s'est dit, on va les prendre, nous, les 58 recommandations, on va les mettre dans un chiffrier Excel partagé, on va faire ça, on va faire du télétravail à distance pour catégoriser tout ça, et éventuellement, on va faire un gros souper bien arrosé chez nous, où est-ce qu'on va penser à des projets clairs et concrets qui peuvent sortir de ces recommandations-là. Et finalement, on a pondu un document qui s'appelle... je peux vous le dire, je peux vous donner l'adresse éventuellement. Vous pouvez aller sur virage.musiquenumérique.ca. Musique numérique, c'est musique. Je pense que c'est écrit comme ça ici. M-U-S-I-Q-C, comme Québec. Numérique, N-U-M-E-R-I-Q-C. Donc, virage.musiquenumérique.ca. Et donc, c'est là que mes copains et moi, on est arrivés à la création d'un... un document qui s'appelle « Virage numérique en musique, recommandations en systématique ». Et une des recommandations était d'en arriver à bonifier les subventions ou à décerner les subventions selon la générosité du créateur. C'est chiant, hein? Donc, l'idée, c'est de dire un auteur qui contribue au dynamisme culturel et non pas de l'industrie culturelle, au dynamisme de la culture. Hein? Il faut faire la distinction entre l'art, l'industrie culturelle qui exploite les artistes et la culture, c'est-à-dire qui se couche moins niaiseux en ayant eu accès à telle pièce d'art, d'œuvre, machin, qui lui a permis de réaliser telle chose et de devenir finalement, d'un point de vue identitaire, quelqu'un de plus grand, de plus fort dans sa propre culture. Bref, voyez-vous? Donc, un auteur qui contribue au dynamisme culturel et à la santé du domaine public obtient plus d'aide de l'État. L'État étant moi, toi, tout le monde, OK? Donc, la collectivité. Et un auteur qui restreint la circulation de son œuvre pour en contrôler sa monétisation obtient une aide moindre. Donc, ce qui cadrait à l'époque parfaitement avec la politique d'austérité du gouvernement Couillard. Alors, l'idée, c'était de dire, plus l'État est généreux envers un créateur ou un producteur, plus ces derniers doivent être généreux avec leur collectivité, les contribuables et ceux qui paient les taxes et qui alimentent les subventions. Ça a l'air un petit peu simple comme ça, mais pourtant, quand on transpose cette logique-là dans l'environnement de l'informatique, alors tout le monde se sent outré que le gouvernement du Québec utilise des licences de logiciels propriétaires et qu'on prend notre argent public, puis on n'encourage pas la création de l'informatique sur des bases de code ouvert, donc l'open source, voyez-vous. Alors, à quoi pourrait ressembler un tableau, en fait, dans un calendrier de mettre en place toute les Creative Commons, en fait, du moins d'ouvrir cette porte-là et puis de les faire entrer un peu plus, les inculquer, de les impliquer un peu plus dans notre culture. Bon, ce serait de dire en 2015, par exemple, les subventions pour quiconque fait une œuvre sur le droit d'auteur, la subvention reste pareille, mais si c'est sous licence Creative Commons, bien, plus tu en donnes à la collectivité, bien, plus tu as une bonification de ton montant de subvention, et plus on avance dans le temps, bien, plus on pénalise ceux qui ne sont pas gentils avec la collectivité, et puis plus on en donne à ceux qui sont nécessairement plus généreux avec la collectivité. Et au bout de 7 ans, qu'est-ce qui se passe? Bien, faut quand même
faut pas se leurrer, là, environ 80 % des revenus de commercialisation d'un contenu, d'un produit culturel, se fait dans les 2 à 3 premiers trimestres suivant la mise en marché. À moins que ça devienne un grand, grand, grand classique, mais ce n'est pas le cas. C'est encore là la loi du 99 %, 1 %. Très, très peu de personnes ont des tunes qui passent au stade de classique. Donc, normalement, donner 7 ans d'exclusivité d'exploitation commerciale à un producteur de films ou un producteur de livres ou un producteur de musique serait bien suffisant, à mon avis, pour lui permettre de faire son beurre et de rembourser son propre risque, qui n'est, soit dit en passant, pas très grand parce que par plusieurs méthodes de créativité comptable, il y a énormément de subventions qui sont octroyées depuis la création d'une œuvre jusqu'à la commercialisation. Donc, on est dans un environnement qui est quand même assez subventionné. Pour info, lorsque nous étions ensemble, Mr. Valère et moi, nous faisions à chaque année une espèce de lac à l'épaule où on se partageait nos états des résultats et on regardait ça. Et puis, on s'était rendu compte que les subventions au Québec, c'est comme l'engrais. Quand la pousse était tout petite, on en recevait plein, 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 plein. Donc, quand on était de la grande relève, on pouvait avoir, je sais pas moi, 30 à 35 % de nos revenus, même 50 % de nos revenus qui étaient dits de subventions. Et plus on avançait, plus notre chiffre d'affaires devenait gros, plus les subventions représentaient quelque chose de moindre. Et ça finissait au final qu'on avait à peu près 20 % 18 % de nos activités qui étaient subventionnées. Donc, si on prend l'ensemble de la culture qui se fait au Québec, dont la grande partie n'est pas subventionnée, il faudra demander à vos amis qui sont en tournée, vous avez des amis en tournée en Asie présentement, il faudrait leur demander s'ils sont vraiment soutenus par l'État pour leur tournée ou pas. Mais il y a énormément de gens qui ne sont pas subventionnés là-dedans. Donc, comment qu'on fait pour pouvoir donner plus aux gens et pour s'assurer en tant que culture d'en retirer un rendement sur investissement, c'est de mettre en place justement des licences Creative Commons. Et je terminerai, avant de passer à la période de questions, par vous parler d'un cas, Passepartout. Hein? Qui a connu Passepartout ici, à main levée? Oui, alors on est entouré d'une génération Passepartout. Et pour ceux qui ne connaissent pas ça, bien, too bad, parce que ce n'est pas disponible en ligne. Ben, en fait, ce l'est parce qu'il y a des gens qui ont volé le contenu sur les DVD puis qui l'ont mis sur YouTube. Mais pour faire la petite histoire de Passepartout, c'est en 1977, nous avions... à cette époque-là, un enjeu, c'est que le gouvernement, depuis plusieurs années, même avant 1977, avait comme objectif de pouvoir augmenter les services de maternelle 4 ans, auprès des milieux défavorisés. Donc, ils ont fait un plan qui aurait coûté 250 millions pour créer des maternelles 4 ans. Donc, si vous voulez, c'est des jardins d'enfants qui sont plus proches de l'éducation que que du gardiennage. Et devant ça, ils se sont rendus compte que, ça coûte cher. Ils se sont rendus compte aussi qu'aux États-Unis, il y avait un projet qui tenait lieu, qui s'appelle Sesame Street, qui avait énormément de succès. Ils se sont dit, mais pourquoi ne pas faire une télé-garderie ou une télé-maternelle 4 ans? Et c'est là qu'ils ont utilisé la technologie de la télédiffusion pour rentrer dans toutes les chaumières du Québec et s'assurer que tous les enfants que nous étions puissent apprendre plein de choses. Comme genre une moustache qui se colle dessus la table ou une moustache qui se colle en dessous de la table, des choses comme ça, et des comptines et des chansons. Bref, au moment où ça a eu lieu, quand ils ont lancé Passepartout, ça a coûté 50 millions plutôt que 250 millions, alors une belle économie, et ils ont fait 125 premiers épisodes et tout ça. Le problème, c'est qu'à l'époque, lorsqu'ils ont signé leurs ententes avec les différents acteurs, les différents artisans qui étaient impliqués dans Passepartout, c'était pas très clair qu'est-ce qui allait se passer avec ce contenu-là dans d'autres types d'exploitation que l'environnement télévisuel. Donc, on a eu des retards lorsque le DVD est arrivé. Ça a été très long avant qu'on puisse voir des DVD de Passepartout sur les tablettes. Tellement que ça a été tellement long parce qu'il y avait un imbroglio juridique, c'est-à-dire que les droits que le producteur avait n'incluaient pas la possibilité d'exploiter les images des comédiens dans le DVD.
Alors, finalement, c'est réglé par un renversement du rapport de force. C'est les trois fantaisistes, ou en fait deux des fantaisistes, Passepartout et Passemontagne, pour ne pas les nommer, qui, eux, se sont dit, ben nous, on va produire un DVD. Alors, ils ont acheté une licence à Télé-Québec pour pouvoir produire un DVD qu'ils ont vendu. Et selon des calculs très extrapolatoires que j'ai faits, en regardant toutes sortes d'articles que j'ai trouvés dans les journaux, il s'agit de 4,3 millions de revenus nets qui ont été générés par la vente de ces différents DVD-là, au grand plaisir de Passemontagne et de Passepartout, qui ont partagé, bien sûr, ces revenus-là avec différents ayants droit impliqués. Donc, devant ça, quand on regarde ça, on se dit, si Passepartout avait été créé sous licence Creative Commons dès le départ, aujourd'hui, on n'aurait pas besoin de Fanolito qui a volé le contenu des DVD par des processus là, en utilisant des logiciels comme ScreenFlow, j'imagine, pour pouvoir capturer l'écran et puis éventuellement mettre ça sur YouTube. On n'aurait pas besoin de Fanolito ou d'autres personnes qui ont aussi enfreint le droit moral. On a vu Passepartout, pas Passepartout, mais Pascaro faire des positions de chat dans la version originale. Ça a été remixé un peu vulgaire sur YouTube. Alors, si vous tapez Pascaro chat, vous allez voir un peu qu'est-ce qui s'en est suivi. Bref, parce qu'on n'a pas rendu notre culture volontairement dès le départ, on n'a pas planifié l'accès de ce contenu-là à la collectivité. Bref, la collectivité s'en charge, puis ils font à peu près n'importe comment, et dans des mauvaises qualités, en 140p ou 200, c'est très, 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 très de mauvaise qualité. Alors, on a un enjeu fondamental, c'est qu'au-delà du fait que ça a coûté à l'État 150 millions, que quelques personnes ont réussi quand même à se faire de l'argent en faisant la sortie du DVD, quel est le rendement sur investissement pour la collectivité aujourd'hui? Et si on était capable de chiffrer les externalités négatives aujourd'hui, de ne pas permettre à des enfants de 3 ans aujourd'hui d'avoir accès à ce contenu-là d'une manière adéquate, si on était capable de chiffrer la perte que ça représente en termes d'éducation, ben on se rendrait bien compte que finalement, ce serait tout probablement plus rentable et plus profitable et plus bénéfique pour l'ensemble de la collectivité que ce soit libéré et rendu disponible sur le web. Et ça ouvre toutes sortes d'enjeux comme, OK, oui, mais si c'est distribué via YouTube, bien, YouTube font un modèle publicitaire, eux font de l'argent. Comment qu'on peut réussir à s'assurer qu'on fasse de l'argent, nous autres aussi, avec ça? Bref, ça, c'est un autre débat dans lequel je n'entrerai pas aujourd'hui, mais qui pourrait nécessairement se régler en forçant les fournisseurs d'accès Internet à contribuer à des fonds de production culturelle, comme c'est le cas déjà préexistant qui existe avec les câbles, le fonds des câbles. Bref, je voulais terminer cette présentation sur cette note de Passepartout. Et j'aimerais même qu'un jour, l'Assemblée nationale en arrive à créer une motion comme quoi Passepartout est libéré et que soudainement, tout l'imbroglio juridique de tous les ayants droit qui sont impliqués là-dedans puisse ne pas prendre le dessus sur, ne pas occulter ou ne pas éclipser, si on veut, le besoin de notre collectivité d'avoir accès à du contenu de qualité pour élever nos enfants. Voilà un des exemples qui pourrait, où le Creative Commons pourrait être très, très, très utile. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Oui. D'abord, merci. Oui. Pas si tu veux t'asseoir pour jaser. OK, on peut faire ça. Très bien. Alors, j'ai une question concernant le statut de l'auditeur, c'est-à-dire que dans votre présentation, vous êtes placé beaucoup du côté de l'œuvre et de l'artiste, mais est-ce qu'avec ce type de licence aussi, ça ne concourt pas finalement à renouveler la place de l'auditeur, simplement, c'est-à-dire qu'il n'est plus un simple consommateur de musique finalement? Non, mais ce n'est pas juste un consommateur. En fait, l'erreur qu'on fait en général, c'est qu'on confond le consommateur d'un point de vue strictement loi sur la consommation là, avec le consommateur culturel. Exemple,
T'sais, dans le virage numérique, là, ce que Musique numérique, on avait suggéré, entre autres, c'est de renouveler le consommateur culturel. Donc, ça veut dire c'est par l'éducation qu'on arrive, par exemple, des programmes de sensibilisation de la chanson ou des programmes de remix de la Bolduc dans différentes écoles secondaires, hein, pour apprendre à la fois les nouvelles technologies, mais pourquoi pas aussi le remix et savoir aussi de quoi elle parle. Et donc, est-ce que si vous comprenez qu'elle parlait du crash de 1929, la Bolduc, OK, mais est-ce que vous seriez prêt à prendre ces paroles et à les revirer pour lui faire dire autre chose, etc., donc de jouer dans la sémantique? Bref, toutes ces activités-là pourraient permettre de renouveler le consommateur culturel. Mais j'aime pas ça utiliser le terme « consommateur culturel », parce que le consommateur, c'est comme quelqu'un qui, par sa transaction, va enrichir quelqu'un d'autre. Alors que le consommateur culturel, par sa transaction, il enrichit lui-même et la culture en général, l'espèce de collectivité dans laquelle il est. Bref, si vous avez comme 8 millions de personnes abruties qui ne savent pas lire versus 8 millions de personnes qui savent lire, on n'est pas dans le même écosystème, mais pas du tout. Donc, oui, je pense que je suis très pro-consommateur culturel dans ma manière d'aborder la question, oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pendant que ça mijote un peu. Oui, bah, en fait, de ce que je comprenais de la présentation que vous avez faite, il y a une grande proximité avec la licence globale, l'idée de licence globale. C'est un peu l'idée d'appliquer la licence globale, mais dans un territoire restreint, le Québec. Et est-ce que vous êtes en communication avec des politiques pour ça? Est-ce qu'il y a un discours politique sur la question au Québec? La dernière fois que j'ai entendu quelqu'un dans un environnement de discours politique, c'était au Forum sur le droit d'auteur à l'ère numérique, au HSC à Montréal, qui a eu lieu, je pense, le 12 et 13 mai, dans ces eaux-là. Juste les deux derniers jours de la semaine suivaient les trois premiers qui étaient forum en fait sur la mesure du succès à l'ère numérique avec l'Observatoire de la culture du Québec, statistiques et tout ça. Puis c'était organisé par l'UNESCO. Bref, tout ça pour dire que pendant cinq jours, il y a beaucoup de monde qui se sont jasés de culture. Et pour en revenir aux deux derniers jours sur le droit d'auteur, il y a une personne qui m'a fondamentalement touché, qui s'appelle Daniel Gervais, qui est un avocat qui est à l'université de Vanderbilt, aux États-Unis. C'est un Québécois qui maintenant est là-bas et qui enseigne là-bas, qui arrivait avec une éloquente présentation sur la problématique. Donc, si jamais vous voulez le revoir, c'est possible. Ça a été justement télé-web diffusé, puis c'est possible de le revoir en lecture. Et si vous voulez, je pourrais peut-être que je le mettrai sur le mot-clic musique 2.0. Hein? Principalement, ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir fait l'état des quatre grandes catégories de consommateurs culturels et d'artistes, en fait, de différentes personnes qui ont des droits, hein, comment ils voient ça? Donc, il a bien placé et catégorisé un peu c'était quoi les besoins de tout le monde. Il en arrivait à une conclusion qui était un mélange de droits d'auteur pur et dur pour certains types d'usages versus de Creative Commons pour tout ce qui est dans un environnement de partage et tout ça, et de licence globale aussi, parce que si on met tout en partage gratuit sur le web, c'est bien le fun, mais YouTube et Netflix, il y a encore plein de joueurs qui font de l'argent. Alors, cette idée-là d'aller chercher une ponction de revenus auprès de ces gens-là qui captent la valeur culturelle, soit en transportant la culture dans leurs tuyaux, comme les fournisseurs d'accès Internet ou les différentes vitrines qui exploitent notre contenu culturel d'une manière ou d'une autre, donc en allant chercher une ponction de leurs revenus, en mettant ça dans un gros pot, où est-ce que après ça, on redistribue? Bien, c'est un autre débat. Comment on redistribue ça, c'est une autre histoire, mais qu'on redistribue cet argent-là, justement, parmi toutes les œuvres qui sont sous licence Creative Commons et qui permettent le partage. Donc, ce serait une manière de jumeler, en fait, de faire une espèce d'environnement juridique hybride entre toutes les possibilités. Donc, je vous invite vraiment à aller écouter ce que Daniel Gervais a dit
C'est vraiment, moi, je pense que c'est vraiment une voie de l'avenir. Ça prend beaucoup de volonté politique pour appliquer ça, par contre. Ouais. Il y a des acteurs québécois politiques qui s'en sont saisis ou pas? Enfin, genre, au Québec, vraiment? Oui. Bien, présentement, en fait, il y a des gens du cabinet du ministre Fortin qui sont en train de préparer une politique culturelle. Mais ils n'ont pas de juridiction, ils n'ont pas les mains dans la juridiction du droit d'auteur. Ça, c'est d'ordre fédéral. Puis la télécommunication des œuvres aussi est régie par le CRTC, fait que c'est fédéral aussi. Donc, il y a Mélanie Joly aussi qui veut s'attaquer à ces problématiques-là. Je ne sais pas de quelle manière elle va le faire, dans quelle mesure, mais là, présentement, elle est en mode « j'écoute ». Et si vous allez sur le site de Patrimoine Canada, vous allez voir des liens vers différents groupes de discussion où elle lance des questions, elle et son équipe. Puis je pense que ça peut être même intéressant pour vous de participer. On est à la croisée des chemins entre l'époque pré-web et post-web. Là. J'aimerais vous entendre un peu, savoir votre opinion sur les plateformes numériques comme Spotify puis iTunes. Par exemple, je pense que si les téléchargements de pistes musicales dans un système « Pay what you want » rapportent plus d'argent au final, c'est quoi les avantages pour un artiste de mettre ses chansons sur iTunes, Spotify? Ben d'abord, je pense qu'il faut juste comparer des pommes avec des pommes. Ouais. Bandcamp qui fait du paiement volontaire, par exemple, et qui est qui élimine énormément d'intermédiaires. Là. Il y a beaucoup d'artistes autoproduits qui vont vendre leur musique à un prix fixe, un prix fixé par l'utilisateur ou carrément gratuitement. Ça, c'est carrément du téléchargement d'MP3. Fait que ça, c'est un type de consommation. Fait que ça, il faudrait comparer ça à la manière de redistribuer les revenus de iTunes. Bon, iTunes prend 30%. Après ça, le distributeur en prend 20, puis il reste 56 cents sur une pièce à la maison de disque qui le partage selon son contrat de disque. Donc ça, c'est l'environnement du téléchargement. L'environnement du streaming, donc ça peut s'appliquer à Netflix aussi, mais c'est un environnement où est-ce qu'il y a un modèle par abonnement qui concurrençait un modèle gratuit, qui est donc le freemium, où c'est un endroit où est-ce que les gens ne payent pas, mais c'est financé par la publicité, versus un endroit où les gens payent. Le problème avec ça, c'est que si moi, je paye 9 $ par mois à Spotify ce mois-ci et que j'écoute 1000 fois une chanson des Sœurs Boulay parce que j'aime ça, c'est pas clair que les Sœurs Boulay vont avoir exactement mon 9 $ à moi. Une fois qu'on a ce problème de répartition-là, on a un autre problème aussi. C'est un problème à deux vitesses. C'est qu'il y a les major labels puis il y a les autres. Et les major labels, ils ne sont pas très transparents. Là. Ils ne vont pas dire combien, c'est quoi leur tarif, mais ce n'est pas le même tarif qu'ils ont eu parce qu'ils ont un gros pouvoir de négociation. Ils sont capables de dire, moi, je mets 60 millions de tracks dans ton système. Bien, moi, je veux ce tarif-là. Puis c'est à prendre ou à laisser. Puis, by the way, j'ai la toune de Michael Jackson dans mon catalogue. Fait que tu vois, ça, c'est ce rapport de force-là n'est pas le même qu'avec le restant de l'industrie qui est dite autoproduite et ou indépendante. Elle n'a pas du tout ce même rapport de force-là. Il y a aussi la problématique des intermédiaires dans les maisons de disques. Alors, certaines maisons de disques qui appliquent encore des logiques contractuelles qui viennent d'antan, de l'époque où ça coûtait bien cher faire du disque physique, alors que faire du numérique, il n'y a pas de frais de reproduction et tout ça. Donc, c'est plein d'enjeux. Mais je dirais qu'une des solutions, je pense, pour en arriver à ça, c'est d'avoir éventuellement une plateforme qui va prendre le 9 $ par mois et qui va... Je ne sais pas si vous connaissez Flatter. Flatter, c'est un système de paiement qui existe. Vous donnez tant par mois, puis tout ce que vous flattez sur Internet, ben votre 10 $ par mois, par exemple, votre budget va être distribué en fonction de ce que vous avez flatté. Fait que si vous avez flatté une telle affaire, ben une seule affaire par mois, ben au bout du mois, cette personne-là va avoir 10 $. Mais si vous avez flatté 10 choses sur le web, ben ils vont se séparer votre 10 $. Donc, c'est de dire, c'est comme, c'est pas utilisateur-payeur, mais c'est plutôt, utiliser-payer. Tu comprends? Alors, je pense que des systèmes comme ça devraient voir le jour plus. Là, pour le moment, je pense qu'on est le balancier est complètement du côté désavantageux pour l'artiste. Mais tôt ou tard, il va y avoir des solutions technologiques qui vont être plus respectueuses, je dirais, de l'ensemble. On l'a vu avec le café. Hein? Le café équitable est arrivé en bout de ligne, puis ça a réussi à changer un petit peu la situation de certaines personnes qui étaient au niveau de la j'allais dire de la création du café, là, mais ceux des petits agriculteurs. Là.
les petits producteurs de café. Donc, ça m'amène à penser que la blockchain, qui est la technologie, à mon avis, c'est une technologie qui est derrière la crypto-monnaie, derrière Bitcoins, pourrait arriver à mettre sur pied plusieurs modèles différents où le consommateur de musique et l'artiste sont payés directement. Et puis, le streaming se fait à partir d'une plateforme, etc. Fait que je pense qu'il pourrait y avoir des Spotify en mode blockchain qui sont ouverts et transparents et qui ouvrent tous les livres sur qui a consommé quoi, puis pourquoi toi tu as eu tant, parce que ça s'explique par la répartition convenue, etc. Donc, l'utilisation de smart contract et de blockchain pourrait éventuellement arriver à créer des plateformes de streaming numérique de musique qui soient nettement plus ouvertes, transparentes et avantageuses pour les artistes. Mais on n'est pas rendu là. Juste pour terminer la retransmission en direct, puisqu'il est 3h30, je te remercie. Nous, on prend quelques minutes pour continuer à discuter ici. Mais grand merci de ta participation. Beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Merci.